Bah déjà, c'est au départ, moi j'ai une position qui est comme souvent les intellos, qui est abstraite. C'est sur les idées, parce qu'en fait j'ai pas de contact. Alors à un moment donné, j'avais dit je préfère le voile au string, tu sais, parce que le premier moment où on a entendu parler des musulmans en mal, c'est avec la loi sur le foulard, où d'un seul coup les chances pour la France, qui étaient des immigrés, sont devenus des dangereux musulmans. C'était les mêmes. Donc il y a eu vraiment un retournement de stratégie de la part du pouvoir. C'est ça que j'ai constaté. Et là, j'ai dit, il y a une malhonnêteté, parce que c'est la gauche aujourd'hui qui, au nom de la laïcité, montre le danger de l'islam et de l'islamisme qui serait une pensée rétrograde et antiprogressiste, alors que ces mêmes personnes, il y a quelques années, attaquaient le Front National quand le Front National se plaignait du danger de l'immigration et de ses conséquences inéluctables. Donc moi, j'ai d'abord montré du doigt la malhonnêteté de la gauche, qui était plus honteuse que la malhonnêteté de la droite, puisque la droite, à la limite, était plus cohérente avec ses idées. Donc j'ai montré ce retournement de la gauche qui allait faire de l'ancien immigré chance pour la France un dangereux islamiste. Et ça, c'est dans un texte qui s'appelle Ce que cache le foulard, que j'ai publié en 2002, et que je devais publier pour une revue, soi-disant, qui se réclamait de Léon Blois et de Céline, et qui m'ont bloqué le texte. Et c'est là que j'ai vu que ces petits progressistes, qui étaient de la bande de Nab d'ailleurs, mais Nab d'ailleurs, sur ce coup-là, s'était bien tenu, j'ai compris que ça allait être très vicieux les années à venir, tu vois, parce qu'en fait, ceux qui allaient se montrer les plus virulents contre les immigrés, puisque finalement, c'était quand même aussi des immigrés, des musulmans, ça allait être la gauche antiraciste. Et c'était ça qui me semblait dégoûtant. Et à montrer du doigt. Et donc je suis parti de ce principe qui était un principe abstrait. Ça m'a valu des sympathies de musulmans qui m'ont dit, vous avez le courage de le dire, l'intelligence de le dire. Certains même qui ont compris le piège qui allait se refermer sur eux. D'autres ne l'ont toujours pas compris. Et puis après, je suis arrivé à une deuxième phase qui est plus concrète, c'est la rencontre et la discussion avec les vrais musulmans. Et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, parce qu'en réalité, il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et là, donc je suis passé de l'abstraction intellectuelle à la réalité, hein, qui est toujours un désenchantement aussi. Il a fallu que je me pose plus de questions. C'est pas juste la question un musulman. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un musulman, qu'il y avait des musulmans. Et que ça variait selon plusieurs critères. Le pays d'origine, s'ils venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. En Algérie, en plus, ils étaient kabyles ou pas kabyles. Après, leur origine sociale, s'ils venaient d'un islam, tu vois, du bled, des montagnes, etc., ou d'un islam des villes. Donc, l'origine sociale, ça compliquait encore l'affaire. Après, les générations, ceux qui étaient nés ici, ceux qui n'étaient pas nés ici. Ceux qui avaient accès aux études supérieures, ceux qui n'avaient pas accès. Donc, ça faisait quelque chose de plus en plus compliqué, où plus je me posais la question de l'islam, moins je voyais que ça voulait, plus je voyais que ça voulait rien dire, tu vois? C'était les islams, les musulmans, tu vois. Quand je dis les islams, c'est un peu hérétique pour un religieux, mais je veux dire, l'islam des divers musulmans, ça faisait des tas de relations à l'islam différentes, de relations à moi différentes. Et là, ça devenait très compliqué, et parfois même un peu dangereux, un peu déprimant, parce que je me faisais attaquer, à la fois attaquer et défendre, dans la même journée, par des gens, etc. Donc, je m'étais rendu compte que, par exemple, par rapport aux juifs, c'était beaucoup plus compliqué. Les juifs étaient plus solidaires. Plus structuré aussi parce que beaucoup moins nombreux en réalité. Et donc là, j'ai aussi compris un truc, c'est que plus une communauté est nombreuse, moins elle est structurée, puissante et cohérente. En fait, le plus grand nombre est un énorme handicap. Hein. Et j'ai d'ailleurs, de ce point de vue-là, répondu aussi aux gens d'extrême droite, parce que j'ai un double dialogue. Hein. Moi, je dialogue avec les patriotes qu'on assimile à l'extrême droite. Moi, je prends les termes tels qu'ils sont imposés par les médias. Salafiste et extrême droite, ce sont deux termes totalement impropres. Hein. Il n'y a pas d'extrême droite en France pour moi pratiquement, et il n'y a pas de salaf... enfin, et les salafistes ne sont pas ce qu'on en dit. Mais moi, je suis obligé de prendre les termes imposés par les médias pour être compréhensible. Voilà. Donc, je suis à la fois obligé de dialoguer avec ce qu'on appelle l'extrême droite, et à la fois obligé de dialoguer avec les musulmans, et je suis obligé de donner des réponses aux deux, en étant souvent soupçonné d'être un manipulateur, parce qu'effectivement, la politique étant de la manipulation. Il y a toujours le soupçon, ce qui est bon compliqué. C'est un chemin intéressant, c'est un chemin compliqué. Et je le dis, il serait beaucoup plus simple pour moi si j'avais voulu chercher la simplicité et un certain confort compte tenu de mes positions, d'accepter les propositions qui m'ont été faites à un moment, de rallier les identitaires, c'est-à-dire en réalité les sionistes. Hein. J'ai eu des propositions, hein, je vous le dis tout de suite. Et ça aurait été pour moi tranquille. Je serais revenu dans le circuit sur une ligne. Danger de l'islam, la ligne Zemmour, vous voyez ce que je veux dire? On peut d'ailleurs peut-être penser que si Zemmour est monté aussi fort à un moment donné, c'est qu'il fallait un Soral sans Soral, quoi, que ça bouchait un trou qui était peut-être fait pour moi à un moment donné, médiatiquement, et que j'ai voilà, un créneau que j'ai pas voulu prendre. Pour des raisons, je le dis honnêtement, morales, d'insoumission aussi, peut-être d'orgueil, hein, je peux le dire, mais parce que j'avais pas envie de.
J'aime pas avoir un patron et voilà, je voulais rester mon propre patron et voilà. Ouais, il y a un tiers de gens de confession musulmane dans mon association. Il y a un tiers de gens qui viennent de l'extrême gauche mais qui ont compris les limites et les mensonges de l'extrême gauche. Il y a un tiers de gens qui viennent de ce qu'on appelle l'extrême droite mais qui ont compris les contradictions et les limites de l'extrême droite. Et un tiers de gens qui viennent de l'immigration musulmane et qui ont compris les pièges de l'antiracisme institutionnel. Hein, voilà. Donc en fait, ça fait des gens qui sont pour une réconciliation nationale sur des critères qu'on a définis, hein, gauche du travail, droite des valeurs. C'est-à-dire que ce soit les Français de souche. Où les Français d'origine immigrée, ils sont le monde du travail. En général, ils sont en bas de l'échelle sociale. Ce sont rarement des rentiers et rarement des parasites. Quand ils sont des parasites, c'est malgré eux parce qu'ils sont chômeurs longue durée, parce qu'ils trouvent pas de boulot. Et droite des valeurs, ils sont en général sur une vision assez anti-bobo et plutôt traditionnelle, c'est-à-dire respect de la hiérarchie, respect des anciens, respect du père, etc. Enfin, on a ces critères de convergence, ce qui veut dire que c'est pas du tout un bricolage abstrait et certaines personnes me disent oui, ça peut pas marcher. Ça marche puisque ça fait 10 ans que je fais des réunions publiques. Il n'y a jamais eu de problème quand je regroupe dans des réunions publiques et c'est systématique. Là, je viens de faire une réunion à Lyon où il y avait 400 personnes. Il y a toujours un tiers de Français issus de l'immigration, un tiers de gens proches du Front National, un tiers de gens issus de l'extrême gauche. J'ai jamais eu une seule bagarre, jamais. Et ça, c'est des critères très sains. Après, je voudrais aussi faire une remarque pour les gens qui s'étonnent, par exemple, de ma sympathie naturelle, effectivement, pour les Français d'origine maghrébine et musulmans. Je vais quand même raconter une chose simple, c'est que je suis arrivé de la Savoie à l'âge de 2 ans. J'ai passé toute mon enfance, Meudon-la-Forêt, Vélizy, qui était la cité dortoir construite par Pouillon, qui ensuite a mis ses talents au service de l'Algérie, du FLN. Grand architecte s'appelle Pouillon. Et c'était la cité dortoir de l'usine Renault de Billancourt. Donc j'ai passé toute mon enfance, même si je suis issu de la bourgeoisie déclassée, au milieu de gens qui étaient des OS, OS1, OS2, des usines Renault, dans lesquelles il y avait beaucoup, beaucoup de Français de souche, n'oublions pas, dans les années 60, je suis né en 58, hein, faut que vous le sachiez, donc époque de Gaulle, hein, la 5e République. Donc j'ai fréquenté beaucoup, beaucoup de Français d'origine ouvrière et de Français d'origine immigrée, dans un contexte qui était les années 60, où il n'y avait pas de délinquance et tout ça. Il y avait le contentieux de la guerre d'Algérie avec les Français d'origine algérienne, mais il n'y avait pas, c'était pas du tout le contexte actuel. Et moi, après, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais un type qui rêvait d'être champion cycliste et champion de boxe. Hein, j'ai pas mon bac, il faut le savoir. Je suis un autodidacte. Hein, je suis pas. Il y a des gens qui savent pas qui je suis. Ils pensent que je fais partie de la grande bourgeoisie, que j'ai fait des études supérieures, etc. Donc, je viens de la banlieue parisienne. Je suis autodidacte et j'ai très vite fait des sports de combat. Et dans les salles de boxe, je vais pas vous faire un dessin. Je faisais pas du karaté, je faisais de la boxe anglaise. Pendant des années, je fais de la boxe anglaise et pieds-poings et boxe anglaise. Et dans les salles de sport de combat sérieux, il y a quelques Français de souche d'origine populaire et beaucoup, beaucoup de Français d'origine immigrée, noirs et arabes, on dit. Donc, c'est-à-dire que mes potes et la fraternité des salles de boxe, ceux qui m'écoutent le savent, étaient beaucoup, beaucoup des maghrébins et des noirs. Ce qui fait que j'ai une fraternité, je veux dire, comment dirais-je, sensible, hein, affective. Et mes copains, c'était la bande de la Courneuve. Enfin, si on regarde mes meilleurs amis, ils s'appelaient Karim, ils s'appelaient Francis. L'un est un Antillais, l'autre est un Algérien. Enfin, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts. En fait, je ne viens pas de la bourgeoisie de la banlieue ouest. Je viens déjà de cette France qui a été métissée de force de mon enfance de banlieue et qui s'est prolongée par les salles de sport ou quand je suis devenu instructeur, notamment. J'ai été instructeur fédéral de boxe. Les gars que je faisais travailler et qui étaient des types qui essayaient de passer professionnel ou qui passaient professionnel parce que c'était un moyen de gagner leur vie. Et chez très peu de blancs, l'idée de faire de la boxe pour gagner sa vie ne vient parce que même moi, j'ai pas fait de carrière de boxeur parce que quand je faisais de la boxe anglaise à un niveau sérieux, j'avais déjà écrit 2 livres et publié 2 livres. J'étais écrivain. J'avais pas risqué mon cerveau dans des combats, etc. Mais les types avec qui je travaillais, même que j'encadrais un peu, étaient souvent des types issus de l'immigration, hein, des maghrébins musulmans et des noirs. Donc, j'ai pas besoin de me forcer pour me sentir solidaire de gens que j'ai fréquentés toute ma vie et dont je sentais qu'ils étaient arnaqués par le mensonge égalitaire républicain, arnaqués systématiquement, hein, arnaqués comme immigrés, arnaqués après en plus comme dangereux salafistes. Donc j'ai pas, pour les gens qui comprennent pas, c'est pas une stratégie froide. D'avoir une affinité, même avec Dieudonné. C'est plutôt, ça correspond à ma sociologie pour ceux qui s'y intéressent. Et beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Il y a des gens qui ne retiennent que le fait que pendant 1 an, j'étais proche du Front National. J'ai été pendant 7 ans membre du Parti communiste français. J'ai monté au PC
le collectif des travailleurs des médias. J'ai bossé avec Jean-Paul Cruz, qui était délégué CGT du journal Libération. Le type avec qui j'avais monté le collectif des médias au PC s'appelait Marc Cohen. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sioniste et il est proche de Finkielkraut et d'Elisabeth Lévy. Mais à l'époque, il était pro-palestinien en diable. Hein. Voilà, donc les gens souvent ne connaissent pas mon parcours et disent des conneries. Voilà, donc ça peut être l'occasion de faire des mises au point. Et ça peut se vérifier en lisant mes bouquins. Hein. J'ai quand même publié des romans très autobiographiques, comme tous les vrais romans. Un vrai romancier parle de lui en général. Il n'invente pas des histoires, il n'a pas besoin. Donc pour ceux qui veulent savoir qui je suis, bah, ils lisent La vie d'un vaurien, qui est ma jeunesse de déclassé à Paris, Misère du désir et Chute. Hein, ces trois romans où j'ai à peu près toutes les clés pour savoir d'où je suis, ma famille, etc., etc. Voilà. Et je pense que comme ça explique beaucoup plus simplement mes positionnements actuels, sans avoir besoin de passer par des trucs vicieux. Vous voyez, genre, voilà. Alors déjà, moi j'ai d'abord connu l'islam par des musulmans. Donc j'ai été en contact de gens qui, dans le contexte des années, on va dire, 90-2000, les types les plus intelligents, les plus intéressants, les plus respectables, issus de la banlieue, à l'époque où la mode c'était NTM, hein, je les ai vus arriver moi en 89 à Bastille, hein, parce que je bricolais dans le monde du journalisme, j'étais proche des types de Radio Nova et de Actuel, et ils sont tous arrivés par Nova. Hein. Donc j'ai vu arriver les mecs de Montfermeil, hein, les mecs des Bosquets, j'ai vu arriver aussi les Joey Starr, Didier Morville, je les ai tous vus arriver, hein, parce que nous on était à Bastille quand ils sont arrivés, on tenait Bastille en réalité. Parce qu'en fait avant que ces petits malins origine immigrée arrivent, il y avait des petits malins du terroir. On était dans la même logique de survie, de bricolage, je travaillais un peu aux puces, je faisais un peu de journalisme. On faisait un peu tout pour survivre en échappant au salariat. Donc je les ai vus arriver. Et j'ai vu beaucoup de petits cons, de petits voyous, d'embrouilleurs. Ils étaient fiers eux-mêmes de s'appeler racailles. Et les petites blanches qui flashaient sur eux de la petite bourgeoisie bobo, déjà, les appelaient racailles avec de la fascination dans les yeux. Donc ils se présentaient déjà comme des petits voyous. Et nous, je me rappelle à l'époque, leur héros, c'était Tony Montana de Scarface. Hein. Et moi, qui avait 10 ans de plus qu'eux, je leur disais, vous finirez gardien de parking. Vous voyez, je me foutais de leur gueule. Et les types les plus intéressants que j'ai vu arriver de ces milieux-là étaient les types qui commençaient à se réislamiser, parce qu'ils étaient en général plus intelligents, plus moraux, plus respectables. Donc j'ai eu un premier moment, je me suis dit, des types issus de banlieue, les plus intéressants, les plus respectables, ce sont ceux qui sont un peu dans l'islam. Parce que les autres, ils étaient vendus au showbiz, hein, c'était Skyrock, Le Bain-Douche. Je connais tout le parcours. On va sortir un bouquin d'ailleurs bientôt qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, où on voit que derrière il y avait déjà Skyrock, Énergie, etc. C'est-à-dire que c'était fait pour empêcher l'intégration, on va dire, des types issus des quartiers. Hein. C'était fait pour ça, hein, le rap. Hein. Comme aux États-Unis, pareil. Hein. C'était fait pour en faire des sous-prolétaires de ghetto, libéraux en réalité, des libéraux. Et les détacher de tout ce qui pouvait être une pensée traditionnelle, des valeurs traditionnelles, qui les permettait de se structurer et de construire collectivement à long terme. Là, c'était pour sortir quelques individus malins et faire échouer tous les autres. Hein. Il y avait la logique, c'est l'époque Bernard Tapie, hein, ministre de la Ville. Donc on donne des ballons de foot, on donne des ghetto blasters, on fait achoper un peu de rap. Et déjà, de toute façon, on tient à l'écart le musulman. Et j'ai écrit ça dans Misère du désir. Ceux qui encadraient culturellement les banlieues étaient essentiellement issus de la communauté juive ashkénaze. Hein, j'ai toujours vérifié. Hein, donc c'est des juifs ashkénazes qui expliquaient à des types de banlieue qu'il valait mieux être un rappeur qu'un type qui s'intéresse à ce dont il peut être fier quand il arrive du Maghreb. Parce qu'il n'y a pas grand-chose pour être fier hein, quand on arrive d'un pays colonisé, donc colonisable, etc., qui était l'islam millénaire. Voilà. Et ça, je l'ai compris très vite. Je me suis dit, les plus intelligents, les plus structurés sont ceux qui vont plutôt vers l'islam que vers le rap et le football. Hein, voilà. Voilà. Et ça, c'est 90. Et je l'écris d'ailleurs c'est le chapitre 4 de mon bouquin qui s'appelle Misère du désir, sur les banlieues. Hein. Ce qui veut dire que si ceux qui s'intéressent à ce que j'ai écrit, ils découvriront que j'avais dit et pigé beaucoup, beaucoup de choses qui expliquent mon parcours dans mes bouquins. Hein. En fait, quand on lit mes bouquins, on comprend pourquoi j'ai tel positionnement à un moment donné en 2004. Ça se justifie parce que j'explique ce que j'écris dans mes bouquins. Hein. Je vais toujours suivre mes actes et mes pensées s'enchaînent assez logiquement. Donc, premier contact avec l'islam, c'est
Les types issus des banlieues, les moins cons, c'est ceux qui sont plus vers l'islam que vers le rap, le blabla du rap, qui consiste à insulter les flics, insulter les Français. Le nique ta mère, c'est totalement anti-islamique. Hein, faut le comprendre. Hein, voilà. Et personne ne peut accepter un type qui se présente à toi en disant je vais niquer ta mère. Personne, tu vois. Et ça pas être raciste. C'est une déclaration de guerre à l'humanité et à celui qui est en face. Et c'est pas pour rien si Jacques Lang a sponsorisé spécialement ça. Tu vois. Faut bien savoir. Hein. Et celui qui accepte d'être sponsorisé par Jacques Lang, il sait ce qu'il fait. Très vite. Hein. Voilà, il sait qu'il aide, qu'il accompagne, qu'il lui met la main sur l'épaule. Dieudonné a compris tout ça. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de lui, parce qu'il l'a compris, et il a eu le courage de dire non, Alors qu'Anne Jamel a tenté de dire non, puis après, finalement, il a dit oui. Hein? Et c'est pour ça, c'est très intéressant, on a tout. Toutes les filles, on a la théorie, la pratique, on a tout. Tout le théâtre est devant nous pour comprendre quelle est la voie à peu près juste en fonction du donné. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. Quelle est la voie juste? Voilà. Et après, dans un deuxième temps, je m'intéresse aux musulmans et je me dis, il faut quand même que je m'intéresse au Coran. Je connaissais pas, les Français connaissent pas l'islam, ils connaissent l'histoire coloniale à travers Pépé le Moko, etc. Où je le reconnais d'ailleurs, comme dans les romans d'ailleurs de Camus, le maghrébin musulman n'existe pas. Il fait partie des meubles. Il n'a pas d'existence en tant qu'être humain. Ce qui est très choquant quand on est un peu un télo et sensible comme moi. On voit très bien dans tous ces films-là, n'existent que les Européens et les autres font partie du décor. Ce qui veut dire que c'est une négation effectivement de l'indigène, de l'autochtone, quoi. Et que forcément c'est problématique. Ce qui est un truc que j'ai remarqué. J'ai remarqué en disant, je comprends que les mecs soient en rogne, parce que quand tu regardes les films français faits sur les colonies, les personnages français sont des personnages qui existent, et tout ce qui est, les autres sont des archétypes. Hein, la femme voilée, le type au couteau, l'indic de police, le machin, etc. Enfin, tu vois, c'est très irrespectueux. Hein, c'est exactement comme quand tu regardes les films faits pour les Noirs aux États-Unis, Shaft. Tu vois vraiment que c'est vraiment de l'archétype, tu vois, pour flatter ou manipuler, et qu'il n'y a pas le respect d'un être constitué de façon complexe. Et ça, en tant que mec qui est un peu sociologue, etc., je me suis dit, ces types sont chiants, mais ils ont quand même de bonnes raisons d'être en colère. Et aussi, si on ne fait pas quelque chose d'honnête et d'intelligent, les deux, ça finira par péter. Je me suis dit ça. Et en même temps, je me suis dit, bon, donc il faut que je m'intéresse à ce sujet-là. Et donc, à un moment donné, il faut que je m'intéresse au Coran. Donc, comme les choses, il y a du hasard dans la vie. Ça s'est passé en plusieurs fois. Un, on m'a offert un Coran. Et deux, quand je suis allé au Liban, dans les ruines de Beyrouth, c'est Beyrouth, ouais, Beyrouth Sud, j'ai trouvé posé sur un tas de morceaux de béton un Coran. Emballé dans un truc, un étui en cuir magnifique. Donc je l'ai pris et je l'ai ramené en France. Voilà. Et celui-là, je ne pouvais pas le lire. Mais par contre, l'autre, il était en français. Donc le fait d'avoir trouvé ce Coran comme qui me tendait les mains, m'a dit, tiens, parce que j'aime bien les signes, même si je ne suis pas religieux, je suis quelqu'un qui se fie beaucoup au destin. J'estime que j'ai un destin, que j'ai toujours voulu en avoir un, et que quand on veut avoir un destin, on en a un. Et quelqu'un qui a un destin cherche les signes. Qu'il soit religieux ou pas, il l'est quelque part un peu malgré lui. Il pense qu'il y a autre chose que la vie matérielle, la vie immédiate, qu'il y a des choses qui. Il y a des, et je veux dire qu'on soit religieux ou pas. Et moi, je suis hegélien d'une certaine manière, et Hegel, finalement, dans l'idéalisme absolu, rejoint la religion sans passer par la foi. Je veux dire, hein, c'est compliqué à comprendre, mais on n'a pas forcément besoin d'être dans la religion au sens classique du terme pour croire aux signes, pour croire à la cohérence globale. Pour croire que voilà qu'il n'y a pas juste la conception darwinienne du monde, accident, erreur, voilà, hasard, etc. Donc je me suis intéressé j'ai lu le Coran, j'ai lu par petits bouts parce que pour un occidental c'est très fastidieux, hein, c'est très répétitif. Je ne suis pas, je le lis époustouflé par la poésie du Coran quand je le lis en français. Mais par contre je vois que c'est, si je suis un peu honnête, un système de valeurs totalement classique et traditionnel, totalement le même que tous les systèmes de valeurs qui permettent à une société de perdurer de façon saine, hein, c'est-à-dire avec une hiérarchie du bien et du mal. Je veux dire, il est logique que l'islam ait pu enfanter d'une civilisation et même d'un empire qui a duré longtemps parce que c'est un livre fait pour ça. C'est un livre fait pour que les hommes, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, fonctionnent ensemble de façon décente. Hein, c'est un livre qui fait l'apologie du respect, de la modestie. Voilà, n'oublie pas que
on dit Allah et miséricordieux. Enfin, voilà, il y a cette idée. Donc je me suis dit, je n'ai pas de problème avec ce livre et il ressemble beaucoup. Il est très compatible avec ce que j'ai appris de là du. Parce que c'est aussi ce que je suis un chrétien. Faut aussi, pareil, je vais faire une parenthèse, je suis un catholique, je suis baptisé. Quand j'ai quitté l'école communale de Meudon-la-Forêt à partir de la 6e, mon père m'a mis dans une école religieuse à Paris. Hein? Et là, j'ai eu ma période de préadolescence où j'étais très dans la foi. J'étais soliste soprane de la chorale. J'ai chanté à Notre-Dame et je voulais être père blanc. C'est-à-dire que j'ai eu une période où je voulais être religieux, qui est une période qui correspond à ce qu'est un petit catholique pour qui le modèle absolu de pureté, de vie accomplie, comment dirais-je, de courage, c'est le Christ. Hein. Il y a quand même, voilà, je suis dans le respect total. Et je dirais même la fascination du Christ, et même ça me dépasse. J'ai été élevé là-dedans, il faut bien le comprendre. Je suis constitué de ça. Je suis ce que je dis, un helléno-chrétien. C'est-à-dire que je suis un humaniste français dont les deux mamelles, comme on dit, c'est la raison, mais pas la raison de Mélenchon, hein, ou la raison de. La raison, c'est-à-dire le logos grec, ce génie occidental de la pensée, et le Christ qui est la compassion, c'est-à-dire l'intelligence critique et la compassion. Hein, c'est le doute et la charité. Et ça fait un humaniste français qui peut être quelque chose de génial, de très beau, de très universel, malheureusement de très fragile, très manipulable. C'est la complexité du fait d'être français. Voilà, c'est qu'on est. On a naturellement une capacité à comprendre l'autre qui est, à mon avis, supérieure à l'allemand ou à l'anglais. L'allemand étant volkisch, beaucoup plus racialiste, et l'anglais beaucoup plus communautariste. Mais en même temps, c'est une fragilité, ça peut être aussi une arrogance, etc. Bon, ça, c'est des parenthèses que j'ouvre. Donc, je me suis intéressé au Coran, je l'ai lu par petits bouts, et je me suis dit, il n'y a rien qui me pose problème dans ce système de valeurs. Et si je fais une comparaison, j'ai lu parallèlement, parce qu'il y a trois monothéismes, vous le savez, hein, après, ça se subdivise parce que quand je dis chrétien, c'est catholique. Les protestants, c'est pas la même chose. Et les protestants calvinistes ou luthériens d'origine, c'est pas la même chose que le protestantisme américain contemporain. Quand on s'intéresse aux religions, on voit que ça éclate un peu dans tous les sens, c'est compliqué. Et puis, dans le catholicisme, moi, je me sens beaucoup plus proche des catholiques traditionnalistes. Et je pense que Vatican II est un ralliement du catholicisme à la pensée maçonnique universaliste, hein, qui était déjà effectivement. Contenu dans la Révolution française. Hein. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est important de se cultiver, de travailler beaucoup, et beaucoup de gens, malheureusement, qui veulent discuter avec moi, n'ayant pas eu de formation, enfin, une formation bricolée. Et de toute façon, s'ils sont passés par l'école, c'est très mauvais aussi, parce que l'école est un formatage. Il faut beaucoup de temps pour se refaire une culture générale solide, en échappant aux mensonges de l'école, en étant donc forcément un peu autodidacte. Et ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Moi, je le dis, j'ai 54 ans. J'ai lu 4 heures par jour minimum pendant des années et des années. J'étais un énorme lecteur. Et ma force, si j'en ai une, c'est quand même d'avoir une culture générale. C'est ça que je veux dire, hein, générale. Je ne suis pas un spécialiste de grand-chose, mais j'ai une grosse culture généraliste. Et donc, quand je parle de monothéisme révélé, les trois religions abrahamiques, je sais à peu près à minima qu'il y a du sunnisme et du chiisme, que dans le christianisme, il y a d'abord le catholicisme, puis après il y a la réforme, dans la réforme, il y a Luther et Calvin, puis après il y a aussi l'anglicanisme, et puis après il y a tous les protestantismes américains, etc. Et bien sûr, le truc le plus dangereux, je me suis intéressé aussi à la religion juive, en étudiant ce qu'on peut étudier, c'est-à-dire des introductions au Talmud, parce qu'il y a des gens naïfs qui me disent où est-ce qu'on peut acheter le Talmud? Le Talmud, c'est une exégèse permanente. Fait par les rabbins, c'est pas accessible. D'abord, il faudrait parler hébreu. Mais par contre, il y a des introductions au Talmud faites par des rabbins. Il y a celle que je conseille, qui est celle du rabbin Aldin Sandsalt, parce que c'est chez Fayard, qui déjà est présenté le Talmud aux non-juifs. Donc déjà, ils en rabattent. Et même ça, pour moi, c'est à dégueuler, je le dis. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quelle horreur. C'est l'apologie du mensonge, de la manipulation de l'autre. Voilà, voilà, c'est autant quand j'ai lu le Coran, je me suis dit c'est ouvert à tous. Déjà, c'est pas racial. Voilà, tout le monde peut rentrer dans la communauté des croyants. C'est comme d'ailleurs le catholicisme. Hein, c'est pas basé sur la race. C'est prosélyte. C'est d'ailleurs aussi ça accepte tout le monde. Et je me suis dit, bah, le Coran et les évangiles, c'est-à-dire le catholicisme pour moi, c'est les évangiles et les actes des apôtres. Hein, déjà, les gens confondent tout aujourd'hui. Hein. La Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancienne Alliance. Le catholique accepte l'Ancien Testament pour comprendre d'où on vient. Mais ce qui fait
comment dirais-je, la foi chrétienne authentique catholique, c'est les évangiles. Hein. C'est là où est le, c'est la parole du Christ. Hein. Faut bien le comprendre. Hein. Comment dirais-je, transmise par les quatre apôtres reconnus. Hein. Voilà. Et donc, je me suis dit, dans mon système de valeurs, comme ça, je n'ai pas de problème avec un musulman. Un musulman et un chrétien authentique partagent les mêmes valeurs, qui sont essentiellement d'ailleurs, après j'y réfléchis, parce que je suis aussi un peu marxiste, formation de critique économique du monde, ce sont deux religions antimammoniques, c'est-à-dire deux religions qui pensent que l'usure amène au règne de Satan. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que c'est là où c'est un de mes clés, c'est que le dire de façon religieuse ou l'expliquer de manière, entre guillemets, en se servant de l'outil de la critique de l'économie libérale, on arrive à la même conclusion. Effectivement, je suis un anti-mammonique, voilà, et je suis anti-mammonique par l'analyse marxiste de la dérive de la société bourgeoise, et je suis anti-mammonique en tant que catholique, et je suis anti-mammonique en tant que sympathisant musulman. Voilà. Et face à moi, j'ai, comme par hasard, la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie, dont l'essence est pour moi la vision judéo-protestante du monde, hein, donc et qui sont des mammoniques. Donc pour moi, il y a vraiment une lutte aujourd'hui, des mammoniques et des anti-mammoniques, et mes alliés objectifs sont les chrétiens authentiques, qui sont pour moi les catholiques non ralliés à Vatican II, les musulmans que j'appelle authentiques, ce qui est compliqué, qui se définissent justement par leur opposition à Mammon et leur refus de certaines alliances avec les mammoniques, notamment en politique et en géopolitique. Hein. Et c'est comme ça que je bricole ma vision du monde et que je bouge, je me déplace sur cet univers-là. C'est en fonction de signaux qui me sont envoyés par les autres. Par exemple, quand Tariq Ramadan accepte l'argent du Qatar, etc., j'étais un de ses défenseurs, pour des tas de raisons qu'on pourrait expliquer, et à un moment donné, hop, je me dis, signal d'alerte, vous voyez? Donc mes positionnements sont toujours, comment dirais-je, conditionnés par des faits qui font sens, hein. Et je prétends être très bon dans les analyses des faits qui font sens. Et c'est quand même une des manières les plus modestes pour construire une pensée, un positionnement. C'est pas dire je pense que ou je sens que ou je crois que, c'est de regarder les signes que vous envoie le réel, la réaction des gens, les positionnements, hein. Et notamment voilà, réfléchir sur le politique. Si on réfléchit pas sur le politique, on est un idiot, quoi. D'ailleurs, les prêches des imams sérieux sont très politiques. Et ce qui fait que moi, j'ai déserté l'Église, c'est qu'il n'y a, il n'y a pas aucun contenu politique dans la liturgie catholique actuelle. Elle est entièrement desséchée, elle est entièrement hors réalité contemporaine. Hein. Et c'est pour moi un vrai problème. Oui, parce que je trouve que c'est une phase. D'abord, je trouve le type m'inspire. C'est vrai qu'il m'inspire le respect. C'est un type qui a l'air très cultivé, qui a une sagesse qui émane de lui quand il parle. Enfin, c'est important, hein, quand je vois des gros imams qui appellent au meurtre. Tu sais, qui sont des obèses avec des yeux qui crachent le feu. Souvent d'ailleurs sponsorisés par le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Ces types-là me dégoûtent. Je veux dire, déjà, je ne les aime pas, quoi. Je veux dire, lui, Cheikh Imran Hossein, m'inspire le respect. Je pourrais dire aussi, quand je vois Monseigneur Gaillot, ça ne me donne pas envie d'être catholique non plus, ni lustiger. Hein, voilà, il y a aussi quelque chose qui émane de la personne. Donc je me dis, Cheikh Imran Hossein, pourquoi moi je le mets beaucoup en avant? Parce que quand un non-musulman me dit qu'est-ce que tu as à faire avec l'islam, cette religion de bédouins, de je sais pas quoi, de arriérés, machin, je dis regarde comment un musulman peut être un savant, un grand géopoliticien et un type qui se sert de l'islam pour avoir une analyse très fine. Très fine du monde contemporain. Et je lui montre comment dirais-je, des conférences de Cheikh Imran Hossein. Et là, souvent, je marque le point. Hein. Je dis, voilà. Alors c'est sûr que il y a des trucs que je préfère effectivement pas montrer un peu moins. Et effectivement, Cheikh Imran Hossein, ça me parle parce que aussi, pourquoi? Parce que la manière dont il montre que l'eschatologie musulmane montre ce qui arrive en ce moment et ce qui va arriver demain. Non seulement ça m'intéresse parce que c'est pertinent, mais parce que ça rejoint, comme je le dis, l'apocalypse de Jean, l'eschatologie catholique. Et je me dis à un moment donné, j'aime bien quand vous êtes en sympathie avec des gens, c'est intéressant de voir que leur vision du monde converge, que c'est finalement il y a réellement un combat commun, des intérêts communs. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quand tu découvres à un moment donné qu'il est écrit quelque part, et chez nous, et chez vous, que nous avons mission de nous associer pour pouvoir vaincre le Dajjal, et que sans cette association,
qui est un move dangereux en islam, hein. Sans ce partenariat, nous n'y arriverons pas. Je dis donc, moi, à un moment donné, voilà, si à un moment donné, les musulmans ont été mis finalement, sont venus massivement en France pour réinsuffler un peu de foi et de traditionalisme, c'est peut-être parce que c'est leur destin positif pour aider à combattre justement la puissance mammonique, cette laïcité. Qui est un espèce de, qui est un masque en fait d'une religion qui ne dit pas son nom. Hein. J'ai bien dit dans mes bouquins que la laïcité était la religion d'État française et que c'était la plus agressive de toutes. Et on est toujours dans l'idée du destin. Je me dis finalement, les musulmans sont sur le territoire français pour un rôle positif, c'est d'aider les Français qui ont une religion fatiguée et une religion qui elle-même a été détournée par Vatican II à redécouvrir le vrai combat qui est de lutter contre le mal. Voilà. Et je me dis. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez mystique dans ma démarche. Ça peut même paraître assez incompréhensible pour certains qui me suivent sur ma ligne politique de critique de l'économie, etc. Mais moi, je crois, comme je vous dis, en tant que même hégélien, à la réalité comme totalité, hein, et aussi aux divers niveaux d'interprétation. Je n'oppose pas du tout une interprétation matérialiste économiste à une vision religieuse. Je pense qu'à un moment donné, le monde est une totalité cohérente. L'homme est à la fois un homme biologico-organique, psychologico-affectif, économico-social, qui se pose une question qui est éternelle de la transcendance, de ce qu'on appelle la métaphysique, de ce qui est au-delà de la simple réalité physique. Et l'homme est tout ça. Hein, voilà. C'est pour ça que je suis assez généraliste, d'une certaine manière. Et je ne vois pas de naïveté. Je pense que la naïveté, c'est de ne pas admettre tout ça. C'est l'arrogance du rationalisme qui méprise le fait religieux, alors que le fait religieux a une permanence, alors que finalement l'épopée rationaliste est une petite séquence très courte, qui n'a pas donné grand-chose en plus, en réalité. Donc je suis dans cette vision globale, et donc je cherche à la fois les signes, je cherche à la fois les outils, je cherche à la fois les alliés. Donc quand je vois Chekrim Ramosen, je me dis, ça m'intéresse, donc qu'est-ce que je fais? Comme je suis aussi quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui se cache derrière un masque sur Internet. Je contacte Chekrim Ramosen et je me débrouille pour faire traduire en français, dans un français correct, un de ses livres clés qui est Jérusalem dans le Coran. Et ben voilà, je suis l'éditeur de ce livre de Chekrim Ramosen en France. Ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a eu des tas de gens qui ont essayé d'empêcher ce truc-là. Et là, je dis après, j'essaierai d'éditer un deuxième livre très intéressant qui est Gog et Magog. Hein. Comment Chekrim Ramosen interprète Gog et Magog par rapport à la politique et à la géopolitique actuelle. Alors après, je me fais emmerder par certains musulmans qui me disent par exemple que Chekrim Ramosen est soufi. Non, il n'est pas soufi. Que Chekrim Ramosen est chiite. Non, il est sunnite. Mais en fait, ça me semble être un musulman intéressant. Et comme moi, je ne suis pas dans l'islam, je le trouve intéressant par rapport à moi, selon des critères qui me sont personnels. Et comme en plus dans l'islam, il n'y a pas de clergé, je dis de toute façon. Je veux dire, c'est l'avantage c'est que c'est mon libre choix de trouver que selon moi, Chekrim Ramosen représente bien l'islam. Et je le dis, représente bien l'islam pour les gens à qui je veux faire respecter l'islam. Parce que moi, mon combat, c'est que voilà, mon combat, c'est aussi de lutter contre ce qui est mis en place par les médias aujourd'hui et les groupes dominants, c'est que l'islam est là pour faire peur, et l'islam est là pour être toujours compris comme une religion de violence et de bêtise, d'obscurantisme et de violence. Et je dis. Bon, il y a évidemment ça, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment au Mali pour voir que, évidemment, il y a ça. Mais derrière, on trouve Bernard-Henri Lévy, hein, on ne trouve pas Chekrim Ramosen. Mais évidemment, mon travail, c'est de dire aussi il y a tout un islam de paix, de fraternité, d'intelligence, de science, etc. Voilà. Et ça m'intéresse. Voilà, et je vois d'ailleurs que la France a eu une grande tradition comment dirais-je, dans l'école française d'Orient, qui est liée à notre empire colonial, et liée aussi au fait qu'on a débouché sur la Méditerranée et qu'on est en contact avec les gens du sud de la Méditerranée comment dirais-je, depuis 2000 ans. Il faut bien comprendre, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux identitaires, que la géographie française dicte son. Quelque part son idiosyncrasie, ce qu'on appelle son idiosyncrasie, et que nous sommes un pays universel dans sa géographie, au sens où nous sommes ouverts sur le nord, sur l'est, sur le sud. Hein. Nous avons la mer du Nord, nous avons la Manche, nous avons l'Atlantique, et nous avons la Méditerranée, et nous avons et Marseille, et Dunkerque, et Strasbourg, et Saint-Malo, et Biarritz, et Paris. Et c'est ça qui est. Et que de toute façon, le lien avec le monde musulman est.
très très ancien. On avait fait une conférence avec Albert Ali pour en parler. Pour ça, des fois, les identitaires ont une espèce de naïveté de croire que les musulmans sont là que depuis qu'on a fait le regroupement familial, que ce sont des abrutis hostiles qui ne pensent qu'à la violence, etc. C'est vrai que parfois, quand on voit certains jeunes réislamisés ou certains musulmans promus par les médias, on peut le penser, hein, les manipulations. On manipule toujours ce qui est manipulable par définition, et rien n'est jamais hors de toute réalité. Mais moi, mon boulot positif, c'est toujours essayer d'aller vers l'islam intéressant, le musulman intéressant et intelligent. C'est mon boulot, qui est parfois d'ailleurs mal compris, parce que souvent les gens mesquins ne comprennent pas d'ailleurs ce que c'est qu'une âme généreuse ou une âme élégante, hein, j'en sais rien, mais ça, je veux dire, c'est comme ça, hein. Mais voilà, moi, c'est. Et en plus, je veux dire, quitte à ce qu'on soit sur le même territoire, autant essayer de voir ce que nous avons en commun et ce que nous pouvons faire de bien, plutôt que du plaisir de la confrontation violente. Donc tous les gens qui sont passés par là, je regardais hier un documentaire sur les bandes de Zoulous, etc., qu'on va mettre sur le site. Tous les mecs qui ont atteint un certain âge disent, voilà, ça nous a amené à rien. Si ça sert à refaire, on referait autrement. Aujourd'hui, on a la sagesse. Malheureusement, on n'a plus l'énergie, etc., etc. Donc je sais très bien, moi, par vécu, que les gens qui poussent à la violence poussent toujours les autres, eux, ils ramassent les marrons du feu derrière, et ceux qui se jettent dans la violence, en général, sont toujours les perdants de l'affaire, quoi. Voilà. Donc j'ai toutes les raisons, finalement, de me comporter, de faire ce que je fais. Je vais à la limite, je suis étonné que certains ne le comprennent pas, hein. Mais il y a des gens aussi, à mon avis, je pense qu'ils sont payés pour ne pas le comprendre. Hein. Je regarde pas mal de trucs sur Internet, j'ai un peu de mal à retenir les noms. Même chez Kim Ramosen, j'ai fallu que j'apprenne par cœur, parce que c'est moi qui l'édite, mais j'ai beaucoup de mal à retenir les noms, tu vois, qui ne sont pas les noms gaulois, quoi, tu vois. Mais je regarde des vidéos, et il n'y a pas que chez Kim Ramosen, il y a deux, trois autres, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, musulmans qui font des vidéos régulièrement, et qui sont, bon... De toute façon, en général, quand je les trouve bons, c'est parce que, pareil, ils évitent les pièges du conflit de civilisation. Ils ne sont pas dans l'appel à la violence systématique. Ils ont quelque chose dans le regard, d'un peu, qui aspire le respect. Il n'y a pas que chez moi, ça. Il y en a deux, trois autres que je trouve très bien aussi. Après, je peux parler de choses plus, enfin, je veux dire, plus spécifiques. C'est que pendant des années, j'ai défendu Tariq Ramadan, parce que, par rapport à ce que les médias français nous proposaient comme porte-parole des musulmans de France, il était celui effectivement vers lequel il fallait aller, parce qu'il était, c'était pas l'imam de Drancy, quoi. Hein. Voilà, il parlait un bon français, il était bien habillé, il se faisait respecter, il se défendait déjà. Mais après, je me suis rendu compte que peut-être le système était plus pervers que ça, et que finalement il avait été quand même choisi comme le musulman auquel on devait s'identifier positivement, et que finalement quand il était face à Caroline Fourest, finalement c'était peut-être comme un espèce de combat truqué, un espèce de théâtre où effectivement on devait choisir entre Caroline Fourest et Tariq Ramadan, mais que finalement c'était deux mondialistes, deux anticolonialistes, deux anti-français, et que finalement il y avait peut-être un piège dans ce choix qui nous était imposé. Et petit à petit j'ai eu cette intuition que finalement Tariq Ramadan commettait des erreurs, de déclarer la guerre aux Français de souche d'une certaine manière, de ne pas séparer islam d'immigration. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est pour l'immigration. Hein et que finalement, si je me disais, c'est bizarre, il y a 7 millions de musulmans en France, il y a quand même, j'en connais plein qui font des études supérieures. Chez nous, on a beaucoup, à égalité et réconciliation, de musulmans de super diplômés. Mon avocat est un musulman issu du Maghreb, etc. Il a fait Sciences Po, il est avocat à Paris, etc., etc. Pourquoi on est obligé d'aller chercher un Suisse qui travaille en Angleterre d'origine égyptienne, et pourquoi on ne trouvait jamais un Français? Et après, j'ai étudié et j'ai vu effectivement que ces réseaux, c'était un peu le monde diplomatique, les trotskistes, les antiracistes, le Qatar, qu'ils payaient, le gouvernement anglais, etc. Donc à moi, il n'y avait jamais rien de français là-dedans, quoi. Et ça m'a. Je me suis dit, c'est au début, c'est peut-être normal parce qu'on n'a pas trouvé le type qui a eu le temps de finir ses études supérieures, ce qui est assez injurieux parce que les Maghrébins musulmans sont en France depuis plus d'un siècle, je crois. Donc il y avait déjà des diplômés. À l'époque de Gaston Monnerville, enfin je veux dire à l'époque de Gaulle, etc. Et donc j'ai commencé à trouver que Ramadan était finalement ambivalent et ambigu. Et j'ai posé les questions, et quand j'ai posé les questions, j'ai pas eu les réponses. Donc voilà, donc à un moment donné, mon évolution par rapport à Tariq Ramadan, elle est en fonction aussi de 10 ans de parcours de Tariq Ramadan. Parce qu'il ne faut pas oublier la notion de temps et de durée. Souvent les gens ne comprennent rien.
Par exemple, en ce moment, on a mis sur le site Égalité et Réconciliation que l'État sioniste avait été cofondé par Hitler en 1933. Alors les gens me disent, oui, mais alors comment il a pu à la fois aider les sionistes à s'implanter en Palestine en 1933, et puis après, on le voit avec le grand moufti de Jérusalem. Je dis, mais entre les deux, il s'est passé 10 ans, 1933-1943. 10 ans de combat, de vie politique et d'aléas politiques, etc., fait que vous bougez. Et les gens, les jeunes, naïfs, n'ont pas cette intelligence du rapport au temps. Je disais, moi, dans les. Alors, les gens, pareil, ils disent, ouais, Soral, en 84, il parlait de ceci, en 90, il parlait de cela. Il y a ce qu'on appelle une vie, il y a un parcours. Hein. Moi, j'ai écrit mon premier bouquin en 84, et après, j'en ai sorti un autre en 87, etc. La France a changé, les rapports ont changé, la population française a changé, et on est en permanence obligé de se repositionner, même pour rester le même. C'est le principe de l'eau d'une rivière qui coule. Si on veut rester au même endroit, il faut bouger. Par définition, c'est-à-dire qu'il faut produire de l'énergie déjà pour maintenir sa position. Et l'idée, elle est celle-là, c'est que pour rester cohérent avec sa vision des choses, il faut se déplacer parce que tout bouge autour de vous. Voilà. Et ça, c'est une question que souvent les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, par exemple, qui mettent des extraits de vidéos de moi il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ils disent, voyez, il dit ça. Non, je disais ça à un moment donné. Voilà. Et c'est pareil, Ramadan, à un moment donné, disait des choses très bien, etc. Puis à un moment donné, il y a la guerre déclenchée par Bernard-Henri Lévy contre la Libye. Et puis je vois que Ramadan, finalement, se retrouve avec BHL. Hein? Et puis qu'une fois que le travail est fait, c'est-à-dire que la mise à mort a été faite, etc., il dit, ouais, finalement, Kadhafi n'était pas si mal parce qu'il protégeait, voulait faire le dinar or, il protégeait ceci, ceci et cela, etc. Je dis, c'est bizarre de dire que maintenant qu'il a été mis à mort, que finalement, il n'était pas si mal. Je commence à me dire, c'est bizarre. Hein? Et puis après, je vois effectivement que... Il y a une règle que j'ai, c'est à qui profite le crime et chercher l'argent, d'où vient l'argent. Et je vois à un moment donné, effectivement, le Qatar très présent, la chaire à Oxford payée par le Qatar, c'est-à-dire en Angleterre, etc. Et donc je me dis, le type évolue, parce qu'il dit, il y a 10 ans, à l'époque de la loi sur le foulard, il montrait beaucoup du doigt une communauté intellectuelle en France qui était très, très, très marquée au niveau de son appartenance ethnico-confessionnelle. C'est-à-dire qu'il montrait la toute-puissance en France de la communauté juive organisée. Il ne le fait plus du tout maintenant. Il s'est fait un peu taper sur les doigts. Donc effectivement, j'ai changé par rapport à lui parce qu'il a changé. Et j'estime qu'il n'a pas changé en bien selon mes valeurs. D'ailleurs, on l'entend de moins en moins. Et comme je le dis, quand ça va péter en Algérie, Bouteflika est en train de mourir. Il y aura des élections en Algérie. Ça sera l'occasion pour l'Empire de déstabiliser l'Algérie. Ils déstabiliseront l'Algérie de deux façons. Par la jeunesse qui veut plus de démocratie et par les islamistes qui veulent plus de tradition. Ils feront péter le... Et l'Algérie fera quoi? Elle tirera dans le tas. Parce que ce sont des militaires. Chose qu'ils savent faire, c'est tirer. Donc, et quand l'Algérie va être déstabilisée, là vous verrez que Ramadan sera très très mal positionné, parce que ses allégeances et ses financements l'obligeront à accompagner la mise à mort du régime algérien, qui sera en réalité la même chose que les révolutions colorées, une domination de l'Algérie par le FMI et l'Empire. Et ce qui me fait marrer, c'est que les trois quarts des musulmans français sont d'origine algérienne, ils te disent la Oumma est au-dessus des nations, mais quand tu parles d'Algérie, ils ont tout le logiciel du FLN qui sort et ils sont ultranationalistes algériens. Là, je leur donne des leçons de cohérence. Hein. Et là, vous verrez que Ramadan, ça passera pas du tout quand il fera le sale boulot. Et là, il explosera et il disparaîtra. Ça aura le prophète. Voyez? Voilà. Bon, on le vérifiera. On a quelques mois pour le vérifier. Ça va arriver bientôt. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à Ramadan. Parce que moi, Ramadan, je regarde dans les yeux et je lui dis, moi, je suis payé par Alain Soral. C'est assez facile à vérifier. J'ai refusé d'être un agent iranien. J'ai refusé tout l'argent qu'on m'a proposé. J'ai monté mes propres organisations, ma maison d'édition, pour être totalement autonome. Hein, comme Dieudonné avec son théâtre, etc. C'est pour ça que je peux dire absolument ce que je veux. Ramadan, lui, parce que c'est ce qu'il avait dit, il avait dit que j'étais pas indépendant. Ramadan, lui, n'est pas indépendant du tout. Hein. Il est tenu par des tas de réseaux, et il est, je pense même en son âme et conscience, parfois dans des difficultés très grandes pour pouvoir même dire ce qu'il voudrait dire. Hein, parce que il a beaucoup plus de moyens économiques que moi, avec l'argent du Qatar, hein, faut pas oublier, mais à mon avis, il est beaucoup plus tenu. Et je ne vous fais pas dessein quand vous regardez le Qatar, il faut savoir ce que c'est, quoi. C'est une base américaine. Hein. Voilà. Donc après les gens disent oui, mais c'est pas parce qu'il est financé par le Qatar qu'il a bien dit qu'il gardait toute sa liberté. Alors là, c'est des gamins qui disent ça, je dis non, non. Tu travailles pour qui te paye? C'est une règle intangible. Voilà. Qui te paye? Voilà. C'est qui te paye et à qui profite le crime? À qui a profité la mise à mort de Kadhafi et la destruction de la Libye, de la Jamahiriya? Voilà, c'est clair et net, hein, on peut le vérifier. Voilà. Et ça, c'est mes évolutions par rapport. On parlait donc parce que Tariq Ramadan est un prêcheur musulman,
Ce que je conteste, hein, d'ailleurs, c'est un il est lui-même se présente comme islamologue, ce qui est le contraire. C'est un type qui, c'est exactement comme, pour comprendre par rapport aux chrétiens, René Girard est un sociologue qui justifie le christianisme par la sociologie. Ce n'est pas un homme de foi. Sa théorie est géniale, hein, c'est la théorie de la victime émissaire et du saut qualitatif du Christ par rapport à cette tradition du bouc émissaire, c'est génial. Mais ça ne recourt pas à la vérité, à la résurrection, enfin, ça ne passe pas par l'incarnation. Voilà, c'est une validation sociologique d'une religion. Ramadan est un islamologue. C'est le contraire même d'un musulman pour moi. C'est un type qui se sert des outils de la sociologie, donc des outils d'une science matérialiste, pour décortiquer une religion et l'expliquer. Ce n'est pas un homme de foi non plus. Voilà. Et c'est pour ça que tout ça crée comment dirais-je, mes polémiques, hein, par rapport à lui. C'est un islamologue payé par les Qataris pour enseigner en Angleterre. Voilà. Et je dis, tout ça amènera forcément au Vatican II de l'islam. C'est peut-être le destin des frères musulmans. C'est pas pour rien qu'ils travaillent la main dans la main aujourd'hui. On le voit en Égypte, avec les Américains et le FMI. C'est peut-être que dans le partage du gâteau mondialiste, car ce sont des mondialistes, il ne faut pas oublier que la marche en avant du mondialisme doit détruire les nations et les barrières nationales. Donc, chez nous, le nationalisme français, mais dans le monde décolonisé arabo-maghrébin, ce qui a été les nationalismes arabes. C'est pas pour rien qu'on est en train de mettre à mort aujourd'hui le bassisme syrien, qu'on a mis à mort le bassisme irakien, que l'Algérie est le prochain sur la liste, comme l'a bien dit comment dirais-je, le délégué qatari comment dirais-je, de la Ligue arabe. Hein. On est en train de finir d'achever ce qui était issu de la décolonisation et qui a été la grandeur du nasserisme, c'est-à-dire le nationalisme arabe. Pour détruire le nationalisme arabe, il faut du mondialisme. Or, le mondialisme dans le monde arabe, c'est les frères musulmans, parce que c'est un mondialisme, c'est la Oumma au-dessus des nations, et les Américains l'ont parfaitement compris, les Anglo-Américains l'ont parfaitement compris, et aujourd'hui, ils jouent la carte des frères musulmans pour détruire les nations arabes et pour imposer, enfin parachever ce que comment dirais-je, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial, avec les frères musulmans qui auront dans ce partage leur part du gâteau, c'est-à-dire la gestion sociétale des musulmans mondialisé. Voilà, c'est mon analyse. Hein. Voilà, c'est pour ça que Tariq Ramadan est bien aimé par le réseau du monde diplomatique, est bien aimé par ce que j'appelle l'islamo-trotskisme, hein, l'islamo-mondialisme. Il y a une cohérence globale. Et là, évidemment, on n'est pas dans la religion, hein, on est dans la politique et la géopolitique. Et je pense que ça n'a pas été de toute éternité. Il faut pas oublier que tout est mouvant. Je pense que les Américains, après avoir échoué en Irak d'imposer la démocratie par la force à des populations dont la fierté identitaire est le retour justement aux traditions, on dit, puisque c'est ça qu'ils veulent, on va leur donner. Donc nous, on garde le macroéconomique, on voit en Tunisie, hein, c'est ça, FMI, dollars, etc. Et on laisse finalement pour satisfaire les peuples, finalement, l'islamisme comme fierté du petit peuple humilié. Voilà. Ce qui est aussi une manière de contrôle sur le plan syndical, sur le plan des acquis sociaux, etc. Hein, donc c'est la mosquée, le vendredi, la babouche. Enfin, tout ce qui est d'ailleurs les signes plutôt que le fond. Et comme ça, on tient le peuple calme, on fait plaisir aux musulmans, et on leur dit, mais vous ne touchez pas, ou vous collaborez sur le plan macroéconomique et au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire, on voit très bien que la Tunisie vient réemprunter, alors qu'elle était sortie de la dette, 500 millions ou milliards de dollars de fausses monnaies américaines. Et on voit très bien en Égypte, les révolutions de Jasmin sont des laboratoires en temps réel, des réalités et des mensonges de ce que c'est que des changements de régime violents, etc. Hein. Et moi, pareil, mon positionnement, et c'est une analyse au jour le jour. Hein. J'avais dit sur l'Égypte, on verra si réellement c'est une révolution du petit peuple, enfin au service du petit peuple, comment dirais-je, égyptien et musulman, sur la réouverture ou pas de la bande de Gaza. Ce sont des vrais marqueurs. C'est là qu'on verra s'il défie réellement la domination sioniste ou pas. La question que je pose, c'est est-ce que le pouvoir égyptien actuel qui a foutu dehors Moubarak, hein, Moubarak, est-ce qu'ils ont fait sauter le blocus de Gaza? La réponse c'est comment? Ben, la réponse c'est non. Ça c'est des vrais. Voilà, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut réfléchir virilement. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on nous avait promis. Après, bon, moi je suis pas égyptien, je suis pas musulman, mais ne soyons pas naïfs par rapport à tout ce qui est processus révolutionnaire. C'est pour ça que moi j'étudie la Révolution française et que je fais beaucoup de pédagogie sur la Révolution française, puisque la première révolution colorée du monde, j'ai dit la première révolution colorée de l'ère moderne, c'est la tentative
C'est mai 68 qui a échoué puis réussi, c'est-à-dire viré de Gaulle par la jeunesse en colère. Et la première révolution colorée du monde moderne, enfin du monde, c'est la Révolution française, hein, qui est déjà le même genre de système et de processus. D'où voilà tout ce que je fais, pourquoi je réédite des bouquins sur le rôle de la franc-maçonnerie et des Illuminés de Bavière dans la Révolution française, parce que j'essaye d'aider à enrichir la culture générale des gens pour qu'ils puissent avoir à se servir de leur tête pour comprendre la réalité. Et dans cette globalité, il y a la question effectivement de l'islam comme système de valeurs, de différentes fractures qui existent dans l'islam historique, mais aussi de l'islam politiquement incarné par les partis politiques dits islamiques dans les différents pays où ils sont présents. Enfin, tout ça, c'est d'une complexité très grande, ça demande beaucoup de travail, de réflexion. Et puis après, bon, bah, y a le fait qu'il faut prendre des positions, il faut réagir. Et puis que moi, je suis aussi effectivement assez punk. Hein. C'est aussi le bon côté autodidacte. J'ai pas le côté universitaire de comment il s'appelle, de Tariq Ramadan, qui lui surjoue le côté universitaire occidental, ce qui m'agace profondément. Il est très occidentalisé, finalement. Moi, je suis plutôt dans une plus proche du professeur Choron et du gaulois de base, c'est-à-dire que je me méfie du jargonnage, du jargon. Alors on me traite de voyou, de mal élevé, etc. Et c'est vrai que quand je produis des concepts comme islamo-sionisme et islamo-racaille, il y a des gens qui me disent c'est une hérésie d'accoler ces deux mots-là. Je dis non, c'est votre problème, c'est pas le mien. Quand il y a comment dirais-je, un aréopage d'imams qui se rend en Israël au moment même où il y a l'attaque sur Gaza, il faut vous regarder dans une glace. D'ailleurs, il y a Chalgoumi dedans, etc. Donc il y a bien des islamo-sionistes. Il y a bien de l'islamo-sionisme, hein, c'est clair. Et il y a bien des islamo-racailles. Il y a des rappeurs aujourd'hui réislamisés qui ont une idéologie totalement, pour moi, de voyous et qui, soi-disant, se prétendent musulmans. Donc il y a bien, effectivement, et je dis, c'est le problème des musulmans, c'est à eux de faire le ménage chez eux et d'accepter ces catégories qui existent et qui sont honteuses, comme chez nous, il y a les traîtres à la catholicité, voilà, il y a aussi les traîtres à la France, effectivement, hein, je rencontre les mêmes problèmes que vous rencontrez, les traîtres à la France dans le gouvernement français, les traîtres à la religion catholique dans l'Église catholique, chez vous aussi, il y a des mauvais musulmans dans la communauté musulmane, hein, et quand je parle d'islamo-sionisme et d'islamo-racaille, c'est une réalité, c'est même une réalité très importante, enfin qu'il faut vraiment identifier et combattre, parce qu'aujourd'hui, l'islamo-sionisme est quelque chose de très fort, qui passe par le régime marocain, qui passe par la soumission des imams blédards en France au CRIF, qui passe par les manipulations de petits voyous soi-disant réislamisés qui a donné l'affaire Merah, qui avait donné l'affaire Kelkal il y a des années. Et ça va se multiplier tout ça. Avec l'affaire malienne, vous allez voir que on vous dit déjà les réseaux djihadiques maliens en France qui menacent la France. Vous allez voir que les couscoussières explosives dans les. Je sais pas quoi, dans les épiceries de Sarcelles, ça risque d'arriver demain. Et c'est à vous de le gérer, ça. Parce qu'il y a toujours un crétin, notamment d'ailleurs comme, excusez-moi, comme Nab, pour dire vive le djihad. À un moment donné, je dis lui, soit il n'a rien compris, soit il touche un billet, quoi. Hein, mais à des moments, il n'y a rien de plus dangereux que le type qui crie vive Ben Laden, enfin le musulman qui se laisse entièrement manipuler et qui travaille pour l'Empire en pensant être un bon musulman. Et moi je dis, voilà, il y a des manipulateurs, il y a des idiots utiles, il y a des manipulateurs, il y a des naïfs. C'est souvent des gens très jeunes et la jeunesse est naïve par définition. Moi je bouscule un peu, c'est vrai, mais je dis, le problème des musulmans de France, c'est de régler deux problèmes aujourd'hui qui sont leur plus gros handicap. Leur handicap, comme je le disais à Chambly, c'est pas le Front National, hein. Le Front National n'est pas au pouvoir, même si Marine a compris qu'il fallait qu'elle tape sur l'islam pour avoir le droit d'être dans les médias. Parce que ça sera à elle de faire le sale boulot. Hein. Les autres ne veulent pas, jamais. Restent toujours dans la coulisse. Et c'est tragique. Hein. C'est tragique. Hein. Le vrai boulot à faire pour les musulmans aujourd'hui, c'est pas de taper sur Marine Le Pen, etc. Hein. Ça, c'est contingent. Mais c'est dans leur propre communauté, si elle existe, de bien identifier les islamo-sionistes et les amo-racailles qui sont là pour que les Français prennent tous les musulmans pour. Enfin, la présence musulmane soit pensée comme quelque chose de globalement négatif et à éradiquer. Et puis les islamo-sionistes pour les gens qui poussent les musulmans à leur servir de chair à canon. Ça, c'est vraiment la ligne BHL. Hein. Quand BHL accompagne le djihad en Libye et qui dit bien à Ruth Elkrieff, je suis un sioniste de combat, je connais bien le sujet, croyez-moi, ces révolutions, je ne sais pas comment ils les appellent, arabes, hein, c'est bon pour Israël. Il faut quand même écouter le prophète BHL quand il parle. Hein. Voilà. Et donc, moi, je fais ce travail d'analyse. J'ai pas, je ne suis pas très trouillard de ce point de vue-là. Hein. Je dis, voilà, il y a un gros problème en France
c'est pas l'islam, c'est les islamo-racailles et les islamo-sionistes, c'est aux musulmans de faire le boulot, et notamment, voilà, là, je vous parle, c'est pas de vous draper dans votre dignité en disant, parce que je reçois des mails hein, de toutes sortes, hein. Je ne reparle pas des mails que je reçois de sympathie, c'est la plus immense majorité. Hein. Je veux dire, une raison aussi pour laquelle je m'entends bien avec les musulmans, c'est que je n'ai jamais eu de problème avec les musulmans. Quand j'ai eu des amendes et des condamnations, sans que je demande rien, il y a eu des collectes faites dans les mosquées, et des musulmans sont arrivés avec des sacs en plastique, avec des pièces et des billets, de gens qui avaient donné de l'argent pour m'aider à payer mes condamnations. Je veux dire, ça tire les larmes. Vous voyez, je veux dire, c'est des choses. Voilà, c'est des faits réels. Ça se passe très bien avec ce que j'appelle les musulmans du quotidien. Voilà, c'est un terme auquel je tiens, les musulmans du quotidien. Et c'est quand même ça qui. Moi, je dis, on juge une religion assez. Comment dirais-je, assez pratiquant, assez adepte. Hein. Et je dis que moi, dans les gens issus de l'immigration avec qui je m'entends le mieux et que je respecte le plus, ce sont les musulmans du quotidien. Ce sont en général, ça forme des honnêtes gens. Voilà. Et je veux dire, le but d'une société humaine, c'est qu'elle soit composée au maximum de ce qu'on appelle d'honnêtes gens, braves gens et honnêtes gens. Et puis que nous, tous ensemble, on identifie les salopards. Je veux dire, c'est le boulot. Et des salopards, ça je le dis, hein, il y en a. Chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les catholiques, etc. Mais il y a aussi une communauté qui produit structurellement du salopard. Voilà. Et ça, c'est ni l'islam ni le catholicisme. C'est une partie du protestantisme et une grande partie du judaïsme, hein, que j'appelle le talmudo-sioniste. C'est une usine à produire des salopards, des menteurs et des voleurs. C'est clair et net. Et qui a le courage de le dire chez les musulmans, ça? Hors micro, beaucoup, mais face à la. Mais non, pas. Donc. Quand on me parle de religion du prophète armé et d'une religion qui a encore un peu de virilité que nous, catholiques de Vatican II, avons perdu, je dis, j'espère effectivement que vous allez réintroduire un peu de virilité dans le débat. Virilité de l'argument, quoi. Et malheureusement, parfois, je suis déçu. Je le dis, quoi. Moi, je pense qu'il faut demander son avis au peuple libyen et puis regarder les critères objectifs. Les critères objectifs, c'est la paix civile, le niveau social, la médecine, le taux de mortalité, la mortalité infantile, la scolarisation. Je pense que Kadhafi était un bienfaiteur, excuse-moi, pour moi c'était un bienfaiteur de l'Afrique, et malgré tous ses travers personnels de dictateur vieillissant, que je peux sans doute identifier parce que je sais ce que c'est qu'un homme de pouvoir. Le pouvoir, il faut bien savoir, c'est et la responsabilité et l'abus de pouvoir. C'est les deux, toujours. Le pouvoir, c'est l'abus de pouvoir. Hein. Donc, ce partage du pouvoir de Kadhafi, il y a eu beaucoup plus, à mon avis, de responsabilité que d'abus de pouvoir. Les abus de pouvoir, c'est ce qu'on voit parce que ça choque, parce qu'on confond toujours un homme politique et un saint homme. Mais Kadhafi, on s'en rend compte aujourd'hui par sa disparition, maintenait la paix civile en Afrique, payait toutes les bandes armées pour qu'elles se tiennent au calme, aidait au développement de l'Afrique, n'était pas un anti-musulman. Il faut lire je suis le rééditeur du petit livre vert de Kadhafi. C'était pas un anti-musulman, hein, rabique. Et sa disparition fait beaucoup beaucoup de mal à l'Afrique et au monde arabe, parce qu'il y a, je veux dire, comment dirais-je, les Arabes d'Afrique et le monde musulman africain, parce qu'il faut oublier qu'il y a beaucoup d'arabo-musulmans en Afrique. Il n'y a pas que le Maghreb et le monde arabe. Hein. La question du Soudan est une question très importante aussi. Et quand on réfléchit en politique, on réfléchit toujours en termes de moins pire. Le moins pire, sinon, c'est qu'on est immature. Les mecs de 68 ont viré De Gaulle au nom de l'anti-impérialisme américain. C'était la guerre du Vietnam, parce que De Gaulle était un vieux con, un paternaliste, un général. Et ils ont mis derrière qui? La bande à Cohn-Bendit. Aujourd'hui, avec le recul. Ceux qui ont un peu de maturité se disent, finalement, comme l'avait dit d'ailleurs Castro, quand Cohn-Bendit est venu le voir après mai 68 à Cuba, il a dit, si vous voulez lutter contre l'impérialisme, aidez De Gaulle, c'est le seul combattant impérialiste authentique en Europe. Et vous êtes un peu dans cette naïveté-là, c'est que vous voyez dans Kadhafi le mec qui n'était pas parfait selon les critères islamiques, mais moi je vous dis, la politique c'est le moins pire. Regardez la catastrophe. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est parce que Kadhafi a été viré. Ça a réouvert la porte à l'impérialisme et au néocolonialisme américain, israélien, français, anglais. C'est beaucoup, beaucoup de souffrance, finalement, en dernière instance, pour les peuples, le petit peuple qui est musulman de ces régions-là. Ils vont en prendre plein la gueule. Et Kadhafi empêchait tout ça. Et en fait, ce n'était pas un saint homme, mais c'était un type qui avait une vision et qui, comme d'ailleurs je le dis Saddam Hussein, mettait l'argent du pétrole au service de son pays. Et de sa communauté élargie, ce qui était aussi le cas de Saddam Hussein. Regardez ce qu'était l'Irak sous Saddam Hussein. C'était un pays de coexistence des sunnites, des chrétiens et des chiites. Et n'oublie pas que les chiites étaient majoritaires en Irak
Alors que finalement, que la minorité sunnite avait quand même beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, c'est devenu un pays de chaos et de domination chiite. Et finalement, on a beaucoup diabolisé Saddam Hussein. Son erreur tragique, et c'est ce qu'on appelle pactiser avec le diable, c'est d'avoir accepté de faire la guerre à l'Iran pour les Américains. C'est là, c'est sa condamnation à mort. Hein. Mais sinon, c'était un grand leader national qui avait mis l'argent du pétrole irakien dans le développement de l'Irak. N'oubliez pas que toutes les guerres, la guerre impériale contre l'Irak, c'est détruire toutes les infrastructures, toutes les élites scientifiques et intellectuelles irakiennes, parce que Saddam Hussein, malgré sa violence, avait permis l'élévation à un très haut niveau social, culturel et scientifique de l'Irak. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est là où je donne raison à Emmanuel Todd. Si vous voulez regarder si un chef d'État est un bienfaiteur pour son pays, vous regardez pas s'il est démocrate ou dictateur. Ça, c'est l'escroquerie, comment dirais-je, de Tariq Ramadan qui dit, comment dirais-je, Saddam, pas Saddam Hussein, Kadhafi n'était pas démocrate. Je vois pas où est la démocratie. Enfin, le mot démocrate n'existe pas en islam, excuse-moi. La charia, c'est bien, parce que c'est une fraternité, etc., mais c'est pas la démocratie. Ou alors c'est la démocratie selon la vision coranique. Mais il n'y a pas besoin du mot démocratie, il y a la charia. Et la charia, je sais ce que c'est, parce que j'ai étudié. Hein, c'est une gestion sociale pacifique et harmonieuse, c'est ça que c'est. Hein. C'est la démocratie des musulmans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est pour ça que quand Tariq Ramadan te dit Kadhafi, c'était pas un démocrate, ça prouve que lui n'est pas un musulman, parce que c'est pas un concept islamique, la démocratie. C'est un concept laïco-maçonnico-libéral. Hein, Ça, voilà. c'est plus, t'as un responsable, c'est l'émir, hein, Oui, parce que oui, ça oui. peut même s'apparenter à des dictatures, Oui, c'est un ben, dictateur. c'est pour ça que je veux dire, ce qu'il faut regarder, c'est pas si le type est un démocrate ou un dictateur, on s'en fout de ces catégories-là. C'est regarder les conditions réelles du pays selon les critères mortalité infantile, espérance de vie, alphabétisation, études supérieures et université, niveau de, toi, le niveau de développement. Et là, tu vois si le type met l'argent des matières premières, notamment du pétrole, dans le pays ou pas. Et je dis maintenant, compare avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Quel est le niveau universitaire de l'Arabie Saoudite? Où est le partage? Où est que dalle? Des centres commerciaux, du tourisme d'élite, des mosquées effectivement dans tous les sens avec une chape de plomb d'islam littéraliste, tu vois, pour bloquer tout développement social. Et si demain il n'y a plus l'argent du pétrole, ça sera à nouveau le désert. Voilà. Et je le dis d'ailleurs, si n'importe quel leader, je dis leader, c'est un mot, voilà, pour pas rentrer dans les détails, saoudien voulait faire autre chose, il serait assassiné. Hein. Il serait assassiné. Ou même, je veux dire, Mossadegh, en Iran à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Finalement, peut-être que Kadhafi n'était pas un bon musulman, mais en tout cas, finalement, il ne faisait pas de mal aux musulmans de la région, en réalité. Il permettait à ces. Il n'y avait pas d'immigrés, comment dirais-je, libyens en France. Il n'y avait pas de sans-papiers libyens en France. Il n'y avait pas de chômage en Libye. Vous voyez? C'était le plein emploi, etc. C'était le plus haut niveau de développement d'Afrique. Hein, c'est des critères importants. Et Kadhafi, malgré tous ses défauts, permettait ça. Et la politique, c'est ça, c'est de dire, si je le vire, parce qu'il m'agace, parce que la propagande, parce que ceci, parce qu'il n'est pas parfait, parce que aussi il gère aussi un pays qui est fondé sur le tribalisme. Il faut s'intéresser aussi à Bernard Lugan. Et à la manière, il n'y a pas que les rapports de classe. Dans ces mondes-là, c'est la famille élargie qui domine. Hein, c'est le tribalisme. Et quand on ne comprend pas la lecture tribale des choses, on ne comprend rien. En Afrique, y compris dans le monde arabe. Le monde arabe, l'Arabie Saoudite, c'est un grand désert qui appartient à une famille qui s'appelle les Saouds. Hein, donc ça correspond à quelque chose qui est l'histoire de ces régions-là, qui est le nomadisme et le clanisme de la péninsule arabique. Et moi, à la limite, je respecte. Je ne suis pas comme Jules Ferry ou monsieur, comment il s'appelle, François Hollande, qui finalement est dans la tradition de Jules Ferry, en attaquant le Mali, là. N'oubliez pas ce que c'est que l'idéologie des Lumières. C'est dresser et éduquer les races inférieures, c'est ça, au nom des Lumières. Moi, finalement, je respecte les différences radicales. Hein, et finalement, un pays musulman n'a pas à être régi selon les règles finalement produites par l'Occident et les non-chrétiens qui amènent à la démocratie. En plus, quand on regarde les résultats de la démocratie que j'appelle de marché et d'opinion depuis 2 siècles, c'est ce qui a produit le plus d'instabilité, le plus de misère, le plus de guerre et le plus de morts. Donc nos résultats ne sont pas très positifs, sauf sur le plan technique, sur le plan technicien. Voilà. Mais qu'est-ce que ça donne? Finalement, ça donne les avions de chasse, les écrans à plasma, une espérance de vie plus longue, mais dans la névrose et les pathologies, enfin, etc. Donc voilà, je veux dire, de ce point de vue-là, moi aussi je m'intéresse à la pensée traditionnelle d'où je viens, c'est-à-dire de Guénon, Corbin, qui comme par hasard d'ailleurs s'intéresse à l'islam, hein. Et Evola, etc. Ce sont
C'est les penseurs néo-traditionalistes ou traditionnalistes français ne sont jamais hostiles à l'islam, bizarrement. C'est aussi un truc que j'ai intégré. Hein. Massignon, Corbin, Evola, voilà, ça aussi c'est des choses qu'il faut connaître. C'est pour ça que je dis à une certaine extrême droite, votre anti-islamisme est très récent, et il est lié en fait au regroupement familial et à l'immigration. Parce que traditionnellement, l'extrême droite française est pro-musulmane, il faut le savoir. Donc moi je ne suis pas d'extrême droite, hein. Selon certains critères, oui. Puis selon certains critères, non. Mais je suis marxiste selon certains critères, islamiste selon d'autres. Enfin voilà, et je dis, je fais cette remarque aussi. Quand je vois par exemple Chambi qui me dit, à un moment donné, il dit, oui, Marine Le Pen, je dis, écoutez, Marine Le Pen, je comprends que vous ne l'aimiez pas. Moi aussi, j'ai des tas de choses à lui reprocher, mais elle n'est pas responsable de la merde dans laquelle vous êtes. Elle n'a jamais été au pouvoir. Et il me dit d'un seul coup, oui, et le maréchal Pétain. Alors je rappelle aussi à la caméra ici que le maréchal Pétain a abrogé le décret Crémieux. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que les musulmans d'Algérie cessent d'être les inférieurs des juifs d'Algérie. Hein? Et que quand il y a eu les manifs immédiatement à la libération, quand immédiatement a été rétabli le décret Crémieux, c'est-à-dire la supériorité des juifs du Maghreb sur les musulmans du Maghreb, les manifs sur lesquels l'armée française a tiré, manifs de Sétif, un des slogans des manifestants, c'était contre les juifs, contre la réinstauration de la domination juive sur les populations maghrébines musulmanes. Ça, M. Chambi ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas que le maréchal Pétain était son protecteur, et plutôt de quelqu'un à qui lui tendait la main. Donc arrêtons de dire des bêtises, d'être malhonnête, etc. Vous voyez? Assumons. Et après, effectivement, on peut remonter au Mufti de Jérusalem et voir que finalement, c'est pas tout à fait comme on nous a raconté. Et moi, ce qui est insupportable pour moi, c'est quand je vois un crétin inculte ou malhonnête qui prétend être musulman alors qu'il est syndicaliste CGT, ce qui n'est pas la même chose, et qui me parle de Pétain comme si Pétain avait été le persécuteur des arabo-musulmans et des maghrébins. J'ai abandonné, il faut un petit peu de culture, au moins on ferme sa gueule. Et moi, comme je suis un peu punk, je fais exprès de ramener ces vérités qui dérangent. C'est une vérité qui bouscule, parce que qu'est-ce qu'elle bouscule en dernière instance? Elle bouscule l'idéologie dominante, elle bouscule le discours officiel, elle bouscule le discours de domination, hein, que je ne reproche à personne, parce que moi-même j'en ai bouffé pendant des années, et qu'il m'a fallu 30 ans de lecture pour m'émanciper de tout ça. Et qu'un type issu des quartiers, qui a été éduqué par SOS Racisme, la Mitterrandi, etc., même quand il veut se révolter, les outils qu'il attrape, c'est comme Ouria Boutelja, c'est déjà des outils, c'est des chaînes. Il croit que c'est des outils pour se libérer, c'est des chaînes. Ouria Boutelja lutte contre le colonialisme au nom des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous voyez le paradoxe. Les droits de l'homme, ça fait partie du bagage colonial et on a colonisé au nom des droits de l'homme. Donc si vous voulez vous lutter contre le colonialisme ou le néocolonialisme, le dernier outil à saisir, c'est les droits de l'homme. Hein? Voilà, c'est des paradoxes que je mets en avant. D'ailleurs, Ouria Boutelja vient de découvrir. Effectivement, le contentieux du décret Crémieux entre notamment elle et Monsieur Aziza, voyez, c'est bien qu'elle le découvre, mais plus elle va découvrir ce genre de choses, moins elle passera à la télé. Il faut qu'elle le comprenne. Et là, je lui pose la question, puisque je suis face à la caméra. Après Dominique Baudis, on propose à la tête de l'Institut du monde arabe Jacques Lang. Est-ce que vous imaginez qu'un truc qui s'appellerait l'Institut du monde juif serait dirigé par un musulman? Comment se fait-il que l'Institut du monde arabe et avant était sous la domination de Baudis, qui était vice-président de l'association des amitiés, enfin des trucs de franco-israélien, c'est un sioniste de combat, il était numéro 2 du truc des amitiés franco-israéliennes, hein, et en plus impliqué de manière très louche dans l'affaire Allègre, c'est-à-dire de délinquance criminelle et sexuelle criminelle. Et là, d'un seul coup, on propose Jacques Lang, qui est juif, je pense que je ne vous l'apprenais pas. Sioniste discret, mais forcément sioniste, et surtout qui a de lourdes suspicions de problèmes de pédocriminalité sur le dos. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'Institut du monde arabe? Ouria Boutelja est salariée de l'Institut du monde arabe. Elle accepte ça? Je veux dire, elle se pose des questions? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'Institut du monde arabe? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un endroit qui est tenu par des musulmans et pour aider les musulmans, enfin, ou la culture arabo-musulmane? Voilà. Et comment tolérez-vous ça, que systématiquement ce soit un non-musulman qui soit à la tête de l'Institut du monde arabe, qui est financé essentiellement par l'argent des Émirats, hein, je crois. Hein. Enfin, il faudrait... Intéressez-vous à ces sujets. Qu'est-ce que c'est que l'Institut du monde arabe? Qui finance? Il faut regarder la répartition des donateurs, etc. Qui est à la tête? J'ai été agressé dans ce théâtre parce que j'avais fait remarquer qu'Ouria Boutelja était salarié de l'Institut du monde arabe et que ça impliquait quand même des contradictions. Et le gamin Labina qui est venu m'agresser, dont je suis certain qu'il travaille pour les renseignements généraux, hein, il n'y a aucun problème, j'en suis certain,
Il me menace régulièrement, mais voilà, c'est certain. Il est venu m'agresser ici pour que j'enlève du site le fait qu'Ouria Boutelja était salarié de l'Institut du Monde Arabe, ce qui était un fait, une réalité. Ça aide les gens, quels qu'ils soient, à comprendre que les mécanismes de la domination, du mensonge, de la soumission, des contradictions, etc., etc. Voilà, de ce point de vue-là, j'ai fait mon travail. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut être pris pour des contradictions. En fait, c'est toute le paradoxe et la complexité de la Révolution française. La Révolution française n'est pas une arnaque parce que l'égalité serait une arnaque ou la fraternité serait une arnaque, mais parce qu'en fait, on a vendu au peuple un projet pour lui apporter autre chose. Donc c'est comme moi quand je suis tout à fait content qu'on ait viré Ben Ali et Moubarak de la Tunisie et de l'Égypte. Le problème, c'est que ça n'a pas été remplacé par le pouvoir du peuple ou des représentants voilà, qui se battent pour les intérêts du peuple. C'est toute la question. Donc moi, à la fois, je trouve que si la République était vraiment la République, je suis pour. D'abord, il y a plusieurs républiques. Il y a la République athénienne, la République islamique d'Iran, la République. Nous, on est dans une forme de République qui s'appelle, que j'ai appelé dans mon bouquin Comprendre l'Empire, la démocratie de marché et d'opinion. Et quand je regarde, en fait, on nous dit c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, je suis pour. Et en fait, je me rends compte que c'est le pouvoir aux plus riches. C'est le pouvoir à l'argent. Mais par une série de médiations historiques et qui m'amène à cette conclusion. Donc, je ne suis pas. Quand quelque part je me dis que finalement, quand on regarde les 2 siècles d'expérience républicaine française, je me dis finalement le roi c'était pas plus mal. Je dis ça. Mais parce qu'il y a 2 siècles d'expérience de mensonges et de manipulations pour arriver là où on est aujourd'hui. Avant il y avait le pouvoir du roi de France, aujourd'hui c'est le pouvoir de la banque internationale. Je dis je préfère le roi de France à la banque internationale parce que le roi de France était le premier, il était catholique et français. Et réellement je pense qu'il aimait la France. Donc il était, à mon avis, plus apte à défendre les intérêts du peuple français que les banquiers internationaux pour lesquels travaillent les représentants, soi-disant, de notre République. Hein? Il suffit de regarder la constitution du gouvernement actuel, ce qui est d'autant mieux parce que c'est un gouvernement de gauche, pour lequel ont voté 90% des musulmans de France, hein, je vous rappelle, et pour lequel l'association, ou je sais pas quoi, des imams de France a appelé à voter. Pour des gens qui sont les plus sionistes que vous pouvez exister, qui se font passer toutes les lois antisociales possibles et imaginables, et qui donc sont objectivement les ennemis du petit peuple musulman de France. Mais oui, et puis Marine Le Pen aussi d'ailleurs. voilà, C'est c'est plein de choses. le principe de l'épouvantail, hein, l'épouvantail, pour vous ramener au vote Pour mentir, soi-disant. qui est l'indigénat réel. Hein. Je dis toujours, quand c'est ce que j'envoie le message à Ouria Boutelja, elle est dans l'indigénat, elle en bouffe et elle n'a aucun intérêt d'en sortir et elle ne veut pas en sortir. Salariée de l'Institut du Monde Arabe, insulter les sous-chiens et soi-disant le Front National alors que c'est pas le pouvoir, et finalement est finalement au service du pouvoir. Elle est finalement dans la même situation que Caroline Fourest. Hein. Et ça s'appelle l'indigénat. Finalement, je dis sortez de l'indigénat. Qu'est-ce que c'est que l'indigénat? Vous le savez très bien. Il y a un pouvoir qui était avant un pouvoir colonial, mais là qui est un pouvoir indigène. Et à un moment donné, on n'a pas les moyens de l'autonomie et on se soumet à lui et on fait ce qu'il vous demande. Et aujourd'hui, toutes les élites officielles de la communauté musulmane de France sont dans une situation d'indigénat, vous le savez très bien, vous le voyez la manière dont mais s'appelle Boubaker, c'est ça là, les déclarations de Boubaker, chaque fois qu'il faut en faire une, c'est toujours de la soumission au pouvoir, alors au pouvoir républicain français, c'est-à-dire au pouvoir maçonnique, au pouvoir judéo-sioniste, hein, vous le savez très bien, vous le vérifiez. Et donc moi la phrase que je lance à Chambly, à Ouria Boutelja et à tout le monde, c'est sortez de l'indigénat. Et je dis même, je l'ai expliqué plus tard, c'est mon intérêt. C'est mon intérêt que la communauté musulmane soit une communauté authentiquement autonome et puissante dans la France, parce que nous avons des intérêts communs et des destins communs et des alliances objectives, si nous voulons combattre contre le pouvoir, notamment le pouvoir sioniste en France. Hein? Vous n'aimez pas la domination sioniste pour votre solidarité avec la Palestine, parce que le sionisme veut mettre à genoux le monde musulman, et d'ailleurs théologiquement et géopolitiquement. J'ai été moi-même soumis par le sionisme, je vous le dis, je suis un Français qui vit sous domination sioniste. La France des Français ne s'appartient plus, vous le savez. Et c'est ce que je disais à Chambly, prenez toute votre place en France, c'est mon intérêt de Français, que vous soyez un contre-pouvoir. Alors que pour l'instant, vous êtes dans la main, enfin, vos représentants sont dans la main des sionistes. Vous êtes une force d'appoint du pouvoir sioniste, vous êtes une force de déstabilisation du pouvoir sioniste quand ils ont besoin de vous. Ils font brûler des bagnoles, ils font chanter des rappeurs, ils font déclarer des déclarations de guerre à des soi-disant salafistes en survêtement,
tantôt niçois, tantôt voilà, enfin, la Fermera, etc. Je dis, si, il est de mon intérêt de Français de souche catholique qui aime son pays et qui est encore dans la fierté et même l'arrogance de ce qu'était la grande nation française, qui a amené jusqu'à bon, le début de la fin est, enfin, le début de la fin est Waterloo, hein, mais on a été la plus grande nation du monde, d'où mon arrogance, que comprennent parfois pas certains Maghrébins qui n'ont connu que la soumission. Qui pour eux exister, c'est tapiner. Moi, j'ai encore le souvenir où exister, c'est dominer et ne pas se soumettre. Ne pas se soumettre à l'anglais, ne pas se soumettre à l'allemand. Hein, c'est ça l'histoire de France. Et donc, mon arrogance, ma fierté, ma dignité, je la puise dans cette grande histoire glorieuse, comme vous essayez de la puiser dans la grande histoire glorieuse de l'empire musulman. Parce que vous ne pouvez pas la prendre dans la grande histoire glorieuse de la Tunisie de ce dernier siècle, de l'Algérie du 19e siècle ou du Maroc actuel. Vous le savez très bien. Parce que c'est que de la soumission, de la trahison, du mensonge, du bricolage, etc. Mais par contre, dans la grande épopée islamique, vous pouvez. C'est pour ça que souvent vous réislamisez, parce qu'on cherche toujours des valeurs dont on peut être fier pour se construire. Et je disais bien en tant que sociologue que les types issus des banlieues, c'est-à-dire entre je sais pas quoi, l'avenue Youri Gagarine, le McDonald's et le club Léo Lagrange, pour se retrouver des racines, pour se construire, il fallait qu'ils passent par la réislamisation. Et que c'est en se réislamisant qu'ils deviendraient des citoyens français. Fier d'être français et non névrosé. Et je dis que tous les mecs issus des banlieues, pratiquement aujourd'hui, on en a fait des névrosés sociaux, c'est-à-dire des types dont le destin est l'échec et la souffrance. Et je dis, il est de leur intérêt de devenir des bons Français, des bons citoyens français pour réussir dans le pays qui est le leur, car quand ils retournent au bled, ils voient qu'ils ne sont plus ni Algériens, ni Tunisiens, ni Marocains. Ils ont traversé la Méditerranée et c'est sans retour. Ils sont Français, ils ont intérêt à réussir en France comme Français musulmans. Ce qui est un truc à construire de A à Z, malgré tous les pièges, toutes les manipulations, toutes les embûches, etc. Et c'est mon intérêt qu'il y ait en France demain une communauté de Français musulmans bien structurée, fière d'elle-même, qui réussit socialement, c'est très important la réussite sociale, plutôt que des types qui tiennent les murs au RSA, au RMI et qui hésitent entre la vente de shit et le djihad sous sponsoring sioniste. Voilà. Donc comprenez bien que quand je me bats un peu pour vous, je me bats pour moi. Et ça, c'est l'honnêteté, parce qu'on se bat toujours que pour soi-même en dernière instance. Sinon, ça ne veut rien dire. Bernard Lévy n'a aucun intérêt à aider ni les Maliens. C'est lui, son truc, c'est Israël, la grande bourgeoisie cosmopolite. Hein, c'est ça. Il se bat pour ce qu'il est. Il se bat pour Israël et la grande bourgeoisie cosmopolite comprador. Ça, c'est cohérent. Le reste, c'est du pipeau et du mensonge. Il n'a rien à foutre de la démocratie, rien à foutre du tiers-monde, rien à foutre des Bosniaques, etc. Ça, c'est arrêté. Moi, je me bats pour la France. Et vous êtes en France, vous êtes français. Mon intérêt, c'est que vous réussissiez en France, que vous aimiez ce pays, que ce pays vous aime aussi. Et pour ça passe aussi par être des Français musulmans, fiers d'être et Français et musulmans. Et malheureusement, ça n'a jamais existé. C'est un truc à construire. Et il y a beaucoup de gens qui ne le veulent pas. Qui ne le veulent pas, soit par bêtise, soit par méchanceté. Un petit groupe par méchanceté et beaucoup par bêtise. Moi, mon travail, c'est d'expliquer au grand nombre qui ne le veut pas par bêtise que c'est en réalité, s'ils comprenaient bien la manipulation des méchants, c'est leur intérêt aussi. Voilà. Et qu'on est dans une période transitoire un peu pénible, un peu douloureuse, je le reconnais, d'hystérie, de colère, de bêtise, quand je m'engueule avec Chambly, c'est pas très agréable, alors que je pense que dans 10 ans, il sera à peu près d'accord avec moi sur tout. Je le sais d'ailleurs par des proches de lui, hein, qui me disent déjà même. Il a réfléchi un peu depuis. C'est mon intérêt que vous réussissiez. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un message que j'envoie. Ce n'est pas de la manipulation, je ne me prends pas pour un prophète, je me prends pas. C'est mon intérêt de Français de souche dans son pays que vous réussissiez votre. Je ne dis pas assimilation, ça ne veut rien dire assimilation. Parce que si c'est s'assimiler à la France de Bernard-Henri Lévy, de Sarkozy, de François Hollande, je suis contre. Je comprends tout à fait. L'assimilation, c'est la soumission à l'américano-sionisme. Donc il n'est plus question d'assimilation. C'est là où Zemmour, c'est les limites de Zemmour. Hein. Assimilé à quoi? C'est pas à la France, puisque la France ne s'appartient plus. Mais que vous réussissiez je dirais, votre intégration, c'est-à-dire de devenir des Français originaires du Maghreb et de confession musulmane, parfaitement, comment dirais-je, prospères et fonctionnels dans ce pays. Or, je sais avec le temps qui passe que beaucoup, beaucoup de jeunes me disent, oui, c'est vrai que mon pays, c'est la France. Quand je voyage et que je vais au Maghreb, je me découvre que de toute façon les Algériens, les Tunisiens, les Marocains me considèrent comme un Français. Quand moi je parle aux Algériens d'Algérie, ils ont beaucoup honte des binationaux qui se tiennent mal en France, ils ne se reconnaissent pas en eux.
Eux-mêmes, d'ailleurs, sont très peu agressifs avec la France. Pour entendre dire du mal de la France, c'est surtout des Français binationaux. Les Algériens d'Algérie disent très peu de mal de la France. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'Algérie. C'est la situation algérienne. Donc, en réalité, quand on s'intéresse, quand on se bouge, qu'on ne fait pas comme Madame Tassin, là, qu'on est dans le fantasme et le fantasme financé, mais qu'on se bouge, les solutions. Voilà, on a tout intérêt à réussir ce que j'appelle moi cette réconciliation nationale. Voilà. Et ceux qui sont contre, souvent c'est ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont payés et ceux qui sont payés pour ne pas comprendre, et nos ennemis objectifs, c'est ça. Je dis que j'utilise les mots qui nous sont imposés par les médias, parce que je ne m'adresse pas seulement aux musulmans, je m'adresse comme vous l'avez vu, je m'adresse aux Français. Les Français sont quand même majoritairement des chrétiens laïcisés. Et pour eux, ils entendent que les salafistes, c'est les types qui égorgent, les types qui, aujourd'hui, au Mali, voilà, déstabilisent le Mali, les types d'Al-Qaïda, les types qui sont pour chasser les chrétiens d'Orient. Enfin, ils entendent tout ça. Donc moi, je dis, si je dis vive le salafisme parce que c'est la vraie religion et pas la religion dévoyée, mon discours est encore plus incompréhensible. Donc je préfère qu'il soit mal compris par une petite minorité de gens avec qui après je peux discuter comme je le fais maintenant, mais qu'il soit compris par le plus de gens possible. Là, je suis dans une logique d'homme des médias, tu vois. Donc malheureusement, c'est comme vous quand ils disent oui, vous êtes fasciste, vous êtes d'extrême droite. Je suis ni fasciste ni d'extrême droite. Pour être fasciste, faut être italien. Et moi, je vois pas pourquoi je serais d'extrême droite. Je suis gauche du travail, droite des valeurs. Voilà, je refuse ça. Mais pourtant, les trois quarts pareil, des gens qui viennent de chez vous, on va dire, me disent, t'es d'extrême droite parce que t'as été pendant un an en compagnonnage avec le Front National. Et le Front National, c'est des nazis. Je dis non, le Front National, c'est les trois quarts qui vont au Front National, ce sont des ouvriers français précarisés au niveau social et qui ne veulent pas voir leur pays détruit par le néolibéralisme anglo-saxon et l'immigration incontrôlée. Voilà. Donc à la fois, je suis bien obligé d'accepter que les types me traitent d'extrême droite de temps en temps. Et quand moi je dis les salafistes et que les gens se sentent insultés, qu'ils comprennent dans l'autre sens, que moi je me sens insulté quand on me traite de fasciste ou d'extrême droite. Parce que ça ne correspond pas à ma réalité, mais je comprends bien que c'est le vocabulaire des médias dominants. Les gens de Civitas, qui sont simplement des catholiques, qui ont défilé dans la manif contre le mariage pour tous, qui est le mariage homo, là, et je pense que beaucoup de musulmans étaient dans cette manifestation, même s'ils n'étaient pas physiquement, ils étaient de cœur. Les gens de Civitas ont été obligés de défiler séparément parce qu'on disait que c'était l'extrême droite ou l'extrême droite catholique. C'est scandaleux. Ce sont des familles de catholiques qui sont à peu près l'équivalent de ce que vous appelez, vous, le salafisme, c'est-à-dire des catholiques pas complètement dégénérés par Golias et qui ne sont pas, voilà, des faux catholiques ou des catholiques ralliés au mondialisme maçonnique. Hein, voilà, donc ben, on a ce problème de vocabulaire. On a un vocabulaire, mais c'est pareil, antisémite. Moi, je dis pour rigoler, je suis pas antisémite puisque j'aime bien les arabo-musulmans et je suis pro-palestinien. Vous savez très bien que antisémite, ça veut dire anti-juif. Hein, et que juif n'est pas une race. D'ailleurs, et les juifs vous disent, mais moi je suis pas religieux, je suis laïque. Ben, alors t'es quoi alors? Puisque c'est pas une race et c'est pas une religion. Tu vois, donc tout ça, ce sont des pièges sémantiques. On vous traite d'antisémite. En fait, ça veut dire que vous êtes judéo-critique. Vous critiquez un système de valeurs qui s'appelle le judaïsme, qui est une religion, ce dont vous avez parfaitement le droit. Mais on vous amène sur un autre terrain en disant que vous êtes un raciste haineux, alors que c'est totalement faux. Donc tous ces mots sont des mots pièges qui nous sont imposés par nos dominants, qui vous dominent, et vous et moi. Parce que ça, ce qu'il faut bien que les gens qui regardent ces vidéos comprennent, c'est que je fais partie des dominés. Hein. Je suis un dominé dans mon pays. Je suis pris en sandwich entre les territoires perdus de la République et les territoires, comment dirais-je, les territoires occupés de la République. Les territoires perdus de la République, c'est la délinquance sous-prolétaire, souvent issue de l'immigration, que vous déplorez comme moi, et qui n'est pas du tout à associer à l'islam. Le vrai scandale, c'est de dire c'est des musulmans. Parce que moi, je l'ai encore vu avec Jovanovic l'autre jour, il dit oui, mais ça va péter avec les musulmans. Je dis, non, ça va péter avec les sous-prolétaires de ghetto, voyous, américanisés, ultralibéraux. Si jamais l'islam progresse en banlieue, ça calmera le jeu, parce qu'en général, on n'est pas musulman et voleur. C'est pas possible normalement. Voilà. Mais ça, c'est très mal compris. Et de l'autre côté, territoire perdu de la République, c'est la délinquance de banlieue qui explose à cause de la crise sociale, des manipulations, etc., etc. Et qui n'a rien à voir avec l'islam, mais dont on vous dit que c'est l'islam. Hein. Les médias vous associent les deux systématiquement. Et il y a plein de petits cons et d'agents du système pour rendre la chose crédible, hein, les mairies, etc. Et puis de l'autre côté, ce que j'appelle les territoires occupés de la République, qui est la domination judéo-sioniste,
hein, sur la France, qui est totale. Il suffit de regarder le gouvernement actuel, qui est encore pire que le gouvernement d'avant, qui était déjà énorme. Donc ça, c'est mon honnêteté, ma réalité. Moi, je suis un colonisé. J'envoie le message à Oria Boutedja. Je suis un colonisé, moi. Hein. Je me soumets. Je suis humilié en permanence et insulté en permanence. Interdit de médias, vous le savez. Interdit de télévision. Traité d'antisémite en permanence. Aziza vient de me cracher à la gueule. Au nom de son grand-père, mort à Auschwitz, on a vérifié que il a passé... Bien évidemment, il n'a jamais quitté l'Algérie avant le... De venir après avoir été chassé d'Algérie comme collabo, hein, faut comprendre. Hein. Le décret Crémieux, c'est voilà, c'est les juifs du Maghreb deviennent des collabos du colon français et sont chassés en 62 comme collabos. Hein, voilà, et Aziza fait partie de ces collabos maghrébins, juifs, chassés par le pouvoir, comment dirais-je, algérien, et qui, venu après avoir foutu la merde en Algérie, est venu m'insulter dans mon propre pays. Hein, c'est clair et net. Hein, voilà. Donc je suis. On a aussi un point commun, vous et moi, c'est qu'on est des dominés. Hein, voilà. Moi, je suis un Gaulois catholique dominé par le pouvoir maçonnico-sioniste en France, et vous, dominé et instrumentalisé, en grande partie. Moi, je vous dis, dominé, vous l'êtes, c'est un fait, cessez d'être manipulé. Voilà, c'est ça que je dis. Et moi, je dis aux dominés manipulés, c'est-à-dire les identitaires, les gens comme ça, arrêtez de vous. Vous êtes dominé, c'est un fait, mais arrêtez d'être manipulé et de servir d'idiots utiles, etc. Au moins, il y a notre dignité. Parce que moi, je ne fais mon discours de vérité, c'est juste de dire la vérité. Hein. C'est-à-dire, voilà, je suis un Français qui suis dans un pays qui était catholique et qui se prétend une république égalitaire, qui est en réalité totalement dominé par un pouvoir qui est maçonnico, judéo-sioniste, bancaire, etc. Voilà, j'ai eu l'honnêteté, moi, d'écrire des livres pour le dire, pour l'écrire. Et c'est ma dignité et ma pertinence. Enfin, je veux dire, j'existe parce que j'ai le courage de faire ce travail. Voilà. C'est aussi je dirais, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, pour oser la ramener? C'est un peu ça que je pose aussi comme question à certaines personnes qui veulent dialoguer avec moi. Je dis, quel est ton palmarès, quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour, voilà, si tu es un combattant, parce qu'un musulman est aussi un combattant de la vérité, quelles sont tes... Comment dirais-je, quelles sont tes médailles, quoi? Je veux dire, moi, je suis sur le terrain depuis un moment, il y a des types qui existent sur Internet sous pseudo. Je dis, ouais, voilà, faites le boulot. Dieudonné fait le boulot, je fais le boulot. Comment il s'appelle? Kémy Séba, dans son genre, fait le boulot, c'est un autre combat, mais il a pris des coups. Voilà, vous, faites, voilà, je dis, faites le boulot. Montrez ce que c'est que le véritable islam, sortez des pièges et des manipulations. Je pense que vous les avez identifiés. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est pour l'immigration incontrôlée. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit déclarer la guerre aux Français de souche catholique. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit être contre qu'il y ait des sapins de Noël à Noël. Hein. Je veux dire, vous remarquez d'ailleurs qu'il y a eu des mezouzas, des chandeliers à 7 branches pour le Hanouka partout. Hein. La laïcité, elle est où, quoi? Voilà. Moi, je le dénonce, ça, vous voyez. Voilà, donc c'est ma réponse, quoi. Moi, je suis obligé d'employer parfois. Alors, à un moment donné, pour ne pas dire salafiste, je disais takfiriste, parce que c'était un peu plus précis. Voilà. En réalité, je préfère dire islamo-sioniste. Hein. C'est un terme qui me correspond. Pour ne pas rentrer dans la théologie musulmane, je dis, voilà, les islamo-sionistes et les islamo-racailles sont mes ennemis. Voilà, c'est clair. Et là, vous avez les islamo-sionistes, ben vous avez on va dire toute l'élite musulmane française soumise au pouvoir français maçonnico-sioniste, et les islamo-racailles, c'est tous ces petits délinquants issus du sous-prolétariat immigré qui croient incarner l'islam ou défendre l'islam en faisant le contraire de ce que l'islam enseigne et préconise, et qui font donc, et par le haut et par le bas, beaucoup de tort à la communauté musulmane de France. Voilà. Dans l'intérêt de qui? La question est posée et il est facile de trouver la réponse. Voilà. Non, je dis qu'il est très possible que nous perdions ce combat, mais nous combattons. Et la dignité, là, ce n'est pas un musulman que je vais l'apprendre, c'est de ne pas être désarmé et de combattre. Je suis en mouvement, je combats, et le fait d'être en mouvement et de combattre et de ne pas être soumis, j'aimerais pas être dans la peau de Jamel Debbouze, hein. J'aimerais pas. Hein. Moi, je peux me regarder dans une glace, je peux regarder mes enfants dans les yeux. Je suis vivant, peut-être que j'aurai une mort violente, mais en attendant, je suis vivant. De toute façon, même si je ne suis pas religieux, nous mourrons tous. Cette peur de la mort n'est pas très islamique chez certains. J'ai beaucoup de gratification humaine pour ce que je fais. Je donne des conférences, c'est plein. C'est quand même très encourageant. Et là, on avait loué une salle de 400 places. On aurait pu mettre 1 000 personnes. Beaucoup de musulmans viennent à ma rencontre chaleureusement.
J'ai beaucoup plus de fraternité, enfin j'ai l'air de musulmans confraternels que de musulmans agressifs. Et de toute façon, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres. Hein. Vous parlez à 1 000 musulmans, il y en a forcément un qui va vous insulter, vous agresser. C'est très peu. C'est 1 sur 1 pour 1 000, hein, je vous le dis tout de suite. Sur 7 millions, ça en fait quelques-uns, évidemment. J'ai la vie que je voulais avoir. De ce point de vue-là, j'ai jamais rêvé d'être insoumis, un salarié, un menteur. Voilà, je prends mes risques. J'ai des amis, voilà, les compagnons de combat avec qui je me sens très bien, comme Dieudonné, comme Salim à Marseille, comme Marion Sigaud. Enfin voilà, voilà, ça, c'est en réalité, c'est un combat dangereux, mais qui apporte énormément de choses. Je veux dire, c'est la définition même de la vie, non? Je veux dire, sinon, c'est que, je le dis d'ailleurs radicalement, sinon, moi, je prétends pas croire en Dieu, mais je me comporte comme si j'y croyais. Je m'adresse à ceux qui prétendent croire en Dieu et qui se comportent comme s'ils n'y croyaient pas. Hein, ça sera ma conclusion. Voilà. Okay, bah merci beaucoup. Okay. Bah, merci à vous, et puis j'espère que ça produira quelque chose on va dire, de positif. Très Hein? On l'a fait, en tout cas. Bah oui. Je vous remercie.